donc élèves, étudiants, mais également des adultes, d'avoir accès à toutes sortes de documents imprimés, numériques, d'avoir accès à des ateliers et bien évidemment du conseil gratuit, anonyme, sans rendez-vous. Donc on traite en fait de tout ce qui est vie professionnelle, l'orientation qui vous intéresse évidemment en premier lieu, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à la formation continue, à la création d'entreprises, etc. Notez-le bien parce que ça peut vous intéresser peut-être pour les années qui suivent. Voilà, donc je tiens à remercier tout particulièrement mes collègues avec lesquels on travaille, le CIO Mediacom, représenté aujourd'hui par Anne Ulpa et Cédric Montpion. Donc merci à vous d'être présents et je crois que vous allez pouvoir répondre à des questions tout à l'heure et intervenir. Voilà, je précise juste nos horaires d'ouverture. Donc nous sommes ouverts toute la semaine, entre le mardi et le vendredi de 10h à 18h et le samedi entre midi et 18h. Et nous sommes également présents en ligne maintenant. Donc vous pouvez aussi avoir du conseil gratuit, anonyme, sans rendez-vous en ligne. Enfin, avec rendez-vous aussi. Voilà. Donc pour plus d'infos, je vous conseille d'aller sur le site www.citedesmetiers.com. Attention, si vous tapez .fr, vous allez tomber sur une autre cité des métiers qui est très bien aussi, mais un peu plus loin, c'est celle de Marseille, puisque nous sommes un réseau français international. Voilà, donc je ne peux pas parler de tous les ateliers qu'on organise, mais je voulais quand même vous signaler que nous démarrons aujourd'hui ce qu'on appelle la semaine de l'industrie. Voilà, donc c'est toute la semaine et ça démarre aujourd'hui bien sûr avec cette rencontre, mais également si vous allez dans la bibliothèque, un affichage photo, un escape game, job dating, voilà, donc plein de choses qui vont se passer toute la semaine. Et puis également dans les grands événements que nous organisons, en avril prochain, donc là vous avez un petit peu le temps de vous préparer, il y a ce qu'on appelle le forum de l'alternance. Voilà, donc là, nous sommes déjà sur la préparation de la prochaine édition qui aura lieu donc en avril prochain. Donc là, il y a énormément de jeunes, plein d'exposants, plein de contrats. Vraiment, ça peut vous intéresser. Donc, je me permets d'insister un tout petit peu sur l'intérêt que ça peut représenter. Alors, étant donné la rencontre aujourd'hui sur la thématique santé, je ne peux pas évidemment ne pas parler également, donc il y a la cité des métiers et la cité de la santé, voilà, qui n'est pas très loin géographiquement de nous, dans la bibliothèque aussi. Donc évidemment, il y a un lien évident entre métier et santé. Donc la cité de la santé est en accès libre, gratuit, c'est un centre de ressources documentaires, un lieu d'accueil, d'information, de rencontre, voilà, un petit peu au même titre que la Cité des métiers, mais sur la thématique santé. Donc n'hésitez pas à y faire un tour également, de lieux qui peuvent vous intéresser à titre voilà, personnel et évidemment professionnel, et bien sûr avec votre statut aussi d'élève. Voilà, donc sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Madame Diane Brément et Monsieur Yvi Steven Moka, que nous remercions bien évidemment pour leur présence et qui vont nous présenter le déroulé de cette rencontre. Je remercie évidemment tout particulièrement Sanofi, Universcience Partenaire, qui ont bien sûr permis cette rencontre. Et je voudrais bien sûr remercier l'ensemble des intervenants, les équipes techniques, la régie, Mohamed, Jérôme, bien évidemment mes collègues de la Cité des métiers, Michel Gozlan, Malek Yazid, merci à vous pour voilà, être présents à chaque rencontre que nous organisons. Et bien sûr, merci à vous, le public, les élèves, les professeurs également, à la fois sur site et en ligne, parce que je crois qu'on est très nombreux aussi en ligne. Merci beaucoup. Et puis, voilà, je vous souhaite une très, très belle rencontre. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, découvrir aussi. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à un autre moment, peut-être aussi, à la Cité des métiers, à la Cité de la santé. En tout cas, on vous attend et on sera ravis de vous revoir. Voilà, donc merci encore. Très bonne séance. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Laetitia. Merci de votre accueil dans ce magnifique lieu, hein, la Cité des sciences et de l'industrie qu'on connaît et qui est absolument géniale pour en apprendre dans tout ce qui est le scientifique.
Et Yvie, Steven et moi, on va vous accompagner. Donc, nous travaillons à la RSE Sanofi, donc RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Vous allez connaître un peu mieux ce que c'est ensuite. On va vous accompagner pendant ces 2 heures pour découvrir plein de métiers dans l'industrie de la santé et notamment dans les laboratoires pharmaceutiques. On voulait commencer par se présenter, dire un petit peu ce qu'on avait fait, notre parcours et comment on était arrivé là. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai fait un bac scientifique S, mais c'est tout ce que j'ai fait de scientifique, puisque finalement, j'ai décidé ensuite d'ouvrir un peu et d'aller dans une formation plus généraliste. Donc, j'ai intégré une école de commerce. Et de là, j'ai pu, en effet, travailler dans plein d'industries différentes, dont l'industrie de la beauté, santé, beauté, des laboratoires pharmaceutiques, des grosses sociétés, des petites startups, des PME. Donc j'ai parcouru comme ça dans des métiers tels que marketing, commercial, innovation. Et depuis 10 ans, je travaille chez Sanofi, justement en marketing commercial et innovation, où j'ai pu développer des applications pour les professionnels de santé, des dispositifs médicaux pour les patients. Donc vraiment, je me suis éclatée, comme on dit. Et aujourd'hui, je suis à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et Julie, entre autres, du LEM, vous en parlera. Donc comme quoi, tous les chemins mènent aux industries de santé. Je vais laisser Yvie se présenter également et puis vous présenter aussi le déroulé de la session. Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Yvie Steven Moka. J'ai 23 ans et je suis l'alternant de l'équipe RSE de Sanofi France. Et moi, pour mon parcours, j'ai fait un bac économique et social. Puis je sais pas, je pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Mais ensuite, après mon bac économique et social, j'ai intégré un DUT, technique de commercialisation. DUT, c'est diplôme universitaire technique. Et à la suite de ces 2 ans en DUTTC, j'ai intégré une école de commerce, donc qui s'appelle La Rochelle Business School, aujourd'hui Excelia. Et actuellement, je suis en Master 2, RSE et développement durable, toujours dans le cadre de mon master du programme Grande École. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au déroulé de cette matinée. Donc, juste après nous, nous aurons Anulpa et Cédric Montpion, qui sont psychologues de l'éducation nationale. Puis après, à partir de 10h40, nous avons Julie Langevin, qui nous présentera l'impact sociétal des industries de la santé. Et à 11h, une petite pause vidéo avec 2 présentations métiers de collaborateurs de Sanofi. Ensuite, nous attaquerons les tables rondes à 11h10, donc avec l'apprentissage, la nouvelle voie vers les métiers de la santé. Et ensuite, 2e table ronde sur l'industrie de la santé, bien plus, qui sont bien plus que des métiers du médical. Alors, merci Yvie. Avant de commencer, on voulait partager avec vous une petite vidéo. En fait, une vidéo très riche qui fait 5-6 minutes, donc va falloir s'accrocher. Mais en même temps, qui constitue vraiment le cœur de la mission des industries de santé, le cœur de la mission d'un laboratoire pharmaceutique comme Sanofi, c'est le développement du médicament. De la recherche, enfin de A à Z, de la recherche à la mise sur le marché. On espère que vous y trouverez autant d'intérêt que nous, on a eu à la regarder. Et elle est tellement riche d'ailleurs qu'on va faire des petites pauses pour vérifier vos connaissances, parce qu'on ne sait jamais si jamais il y avait une petite interro orale derrière, retenez bien. Donc, si vous pouvez, à la régie, lancer la vidéo. Merci. La recherche et le développement d'un médicament est un processus long, complexe, coûteux et risqué. Derrière un médicament, il y a près de 15 ans de travail, des centaines de chercheurs et scientifiques impliqués et près d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Ce développement s'inscrit dans un processus de sélection très strict, avec des tests effectués sur 10 000, 50 000, voire 100 000 substances différentes, avant qu'une seule puisse être commercialisée avec succès. D'abord, 2 à 4 ans de recherche pour comprendre la maladie et trouver le moyen de la traiter. Puis 2 à 5 ans encore pour développer le médicament. Et enfin, 4 à 7 ans pour prouver l'efficacité et la sécurité de ce qu'on appelle à ce stade un candidat médicament. Quelles sont les grandes étapes du développement d'un médicament? Quels sont les défis scientifiques et technologiques auxquels les équipes de R&D doivent faire face?
Ah, bah alors, si la question c'était quelles sont les grandes étapes de développement d'un médicament, mais vu que on s'arrête sur cette, sur cette image, je pense que vous allez bien retenir. En effet, un médicament, on met vraiment énormément de temps à le développer. Hein, ça peut être 10, 15 ans de recherche et développement. Et les trois étapes dont je voulais vous parler et que vous reteniez, c'est d'abord la recherche, hein, qui peut durer jusqu'à 4 ans, le développement qu'on appelle développement précoce, 2 à 5 ans, et ensuite le développement avancé, 4 à 7 ans. Donc, tout ça avant les essais cliniques sur l'homme. Donc, on a un candidat médical. Pour arriver à cela, on va faire cette étape de recherche et puis des essais également in vitro ou sur les animaux. Et ensuite, on peut passer aux essais cliniques sur l'homme. Donc, si vous pouvez mettre la suite de la vidéo, s'il vous plaît. Tout commence par la recherche. Point de départ, la maladie elle-même. Car pour la traiter, il faut avant tout la comprendre. À l'origine d'une maladie, il y a un dysfonctionnement au niveau de nos cellules. Cela peut être par exemple une protéine qui fonctionne trop, pas assez ou pas du tout, qu'il va falloir bloquer ou stimuler. Pour identifier la cause de la maladie, les chercheurs analysent des tissus ou des cellules provenant de patients et les comparent à ceux de personnes non malades. Objectif : identifier la protéine responsable, celle qui joue un rôle dans l'apparition de la maladie. Cette protéine est la cible que le médicament doit atteindre. Ce sera le site d'action du médicament. Atteindre la cible et modifier son comportement, c'est le rôle de la molécule dans le médicament. On parle aussi de principe actif. Les scientifiques doivent sélectionner la plus pertinente. Une fois que la bonne cible est identifiée, les chercheurs doivent sélectionner le format le plus efficace pour l'atteindre et modifier son mécanisme. Il peut s'agir par exemple d'une molécule obtenue par synthèse chimique, d'une molécule d'origine biologique issue d'une cellule, comme par exemple un anticorps monoclonal, d'une molécule associant à la fois une molécule chimique et une molécule biologique, plus communément appelée molécule conjuguée. Pour cela, les chercheurs commencent par passer au crible des centaines de milliers de molécules existantes. C'est l'étape du screening à haut débit. L'objectif est de visualiser, au sens propre du terme et en trois dimensions, comment ces molécules se lient à la cible visée. Plus la molécule épouse la forme de la cible, plus elle sera efficace. C'est un peu comme trouver la bonne clé pour une serrure. Pour ouvrir la porte, la clé, la molécule, doit parfaitement épouser la forme de la serrure, la cible. Cette propriété est clé en termes d'efficacité. Pour cela, les chercheurs utilisent des algorithmes très puissants. De cette étape, les scientifiques parviennent à identifier 3 à 4 molécules qu'on appelle des leads. Les scientifiques les optimisent pour qu'ils soient parfaitement conformes à la cible, en ajoutant ou en supprimant un atome par exemple. Une fois les hypothèses modélisées en 3D, place ensuite aux biologistes ou aux chimistes dont le travail consiste à produire ces leads en petites quantités pour tester leur efficacité in vitro. Plusieurs allers-retours entre les scientifiques, les chimistes et les biologistes sont nécessaires pour trouver la bonne combinaison. À la fin, un seul sera candidat et entrera en développement. Voici le candidat médicament. La phase préclinique peut commencer. Le candidat médicament est testé sur des organismes vivants. Quels sont ses bénéfices? Quels sont ses effets? Comment est-il absorbé par l'organisme? Comment est-il éliminé? C'est l'objectif de ces études. Les chercheurs ajustent la dose pour trouver le juste équilibre entre efficacité et tolérance. C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Les essais précliniques sont convaincants? Le candidat médicament entre en clinique pour être testé chez l'homme. Il s'agit d'abord de vérifier la sécurité et la tolérance sur des volontaires sains, puis on détermine la bonne dose et on évalue les effets indésirables sur un petit nombre de patients. C'est en parallèle des premiers tests cliniques que commence le travail de développement du procédé de fabrication du futur médicament, soumis à des contrôles qualité extrêmement stricts au sein du laboratoire et de la part des autorités de santé. C'est lors de cette étape que la forme finale du médicament sera définie. Une gélule, un comprimé, une ampoule, une seringue pré-remplie pour les injections, etc. Au sein de Sanofi, le projet est évalué à chaque étape de son développement selon des critères extrêmement stricts. Si son concept n'est pas suffisamment... Donc là encore, vous l'avez vu, il y a de nombreuses étapes, dont trois principales avant les essais cliniques sur l'homme. La première, donc, c'est le candidat médicament. Ensuite, on va faire les essais précliniques. Vous l'avez vu, ça peut être in vitro ou sur des souris. Et un moment très important, c'est le choix de la forme galénique.
Je ne sais pas si ce concept est clair pour vous. Vous le voyez peut-être dans vos cours de physique-chimie. La forme galénique, c'est vraiment très important aussi pour l'administration du médicament à l'homme. Donc ça peut être une seringue, ça peut être un comprimé, une gélule, ça peut être un topique, une crème. Et du coup, l'administration va être plus ou moins facilitée pour les patients et pour les malades. Et on peut finir le film. Abandonné. Ensuite, la molécule est testée sur un très grand nombre de patients pour évaluer son efficacité et sa tolérance, ses effets secondaires lorsqu'elle est utilisée en vie réelle. Fait-elle mieux qu'un placebo ou que les traitements existants? Apporte-t-elle un réel bénéfice aux malades? Durant ces étapes, le laboratoire produit et fournit les lots du médicament au centre d'investigation clinique qui réalise les essais sur les patients. À l'issue des essais cliniques, si les résultats sont positifs, le laboratoire demande une autorisation de mise sur le marché. Elle passe par les autorités de santé, dont les critères d'approbation sont spécifiques à chaque pays. Celles-ci enregistrent le médicament et donnent leur approbation pour sa commercialisation. Le prix et le taux de remboursement du futur médicament sont négociés avec les autorités de santé et dépendent de son caractère innovant. Feu vert, le laboratoire lance la fabrication du médicament en grande quantité selon les procédés qu'il a développés au moment des premiers essais cliniques et des tests à grande échelle. Le médicament est désormais distribué dans les hôpitaux et les pharmacies. Les découvertes, comme le décryptage du génome humain et les nouvelles technologies, ne font que démontrer la complexité des maladies et la nécessité de mieux les comprendre. Dans le même temps, les attentes des patients et des sociétés ne cessent de croître. Pour répondre à ces besoins, l'innovation en R&D est essentielle. Alors l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer que la production d'un médicament prend du temps. Et par exemple, dans le cadre du Covid, du vaccin anti-Covid, on a pu entendre que le vaccin a été produit en 1 ou 2 ans. Ce n'est pas totalement vrai, car la technologie ARN messager a été découverte il y a plus de 10 ans. Donc ça fait plus de 10 ans que des scientifiques travaillent là-dessus. Et ça a été accéléré pendant la période Covid. Et dans la continuité de cette vidéo, je vais vous proposer un caout, une question. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oups là. Une question sur le parcours du médicament sur la vidéo que vous venez de regarder. Donc ce que je vais vous demander, c'est de sortir vos téléphones, s'il vous plaît, et d'aller directement sur kahoot.it. Je vais vous laisser 20 secondes parce qu'il faudra renseigner vos adresses e-mail et un pseudo. Normalement, il y a 100% de bonnes réponses parce que... Normalement, là, c'est tout le monde qui répond bon. Et si tout le monde n'arrive pas à se connecter, vous faites avec votre... C'est ça, vous, en binôme. Votre copain d'à côté. Est-ce que vous êtes tous bien sur l'application? D'accord. Vous ne voyez pas le code? Il faut un code? Oui. Est-ce que au niveau de la régie, on peut avoir... S'il vous plaît. Voilà. Ah, super. Voici le code. D'accord. On n'a mis qu'une question. Une donc seule vous avez question. Vous avez intérêt à être bon, hein. Ok, ça s'enchaîne. Ah, ça vient d'un coup. Ah, c'est bien. Issa, Julie, Sindhu, Adias Blos 94. Ok. Su, ok, d'accord. Annie, Léna. D'accord. Ça débutera dans 15 secondes. Je pense qu'on est dans... Ok. Chocolat, la cahier. On peut arrêter ou pas?
que le minuteur il se termine ici. Bon bah ça fait plaisir parce qu'en tout cas vous êtes nombreux et vous êtes concernés, donc c'est super. Allez, tout le monde s'est inscrit ou pas? Oh non. Rappelez-vous le film. Pour ceux qui sont inscrits, rappelez-vous le film. Les étapes. Bon, on va devoir partir quand même un moment. À chaque fois, ça revient. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé que vous seriez si nombreux. Donc, en fait, inscrire 500 personnes, ça met du temps. C'est ça. Bon, on peut y aller ou pas? Non, encore 15 secondes. À chaque fois, ça décale des nouveaux inscrits. 211. D'accord. Bon, on va vous demander d'arrêter de vous inscrire. Oui. Parce que sinon, on va passer la matinée pour une question. Vous pouvez le faire par deux. Mais si vous préparez un caout à faire dans vos classes sur le médicament, ça peut être une idée. Donc si ça intéresse quelques classes, on peut le faire. Donc, c'est bon ? On arrête là les inscriptions. Donc dans 10 secondes, le quiz va commencer normalement, si vous arrêtez de... Et donc de vous pouvez inscrire. Arrêter de vous inscrire. Et donc, voilà, on stabilise à 242, okay. 243 inscrits. Voilà. Et donc, c'est collectif. Il faut vraiment que tout le monde donne la bonne réponse parce que là, il n'y aura pas un podium. Donc, la question est... L'écran, il est figé? Ah ben, nous, non. Non, il n'est pas figé de notre côté. Nous, non. Donc, à la régie, je ne sais pas si... Ah oui, c'est bon. Donc, si vous pouvez arrêter de vous inscrire. Parce qu'à chaque fois, les 15 secondes, elles reviennent. Donc, si vous pouvez le faire par 2, 3... Ouais, donc, on va vous poser la question. Donc, vas-y, pose la question. Attends. 15 secondes. Stop, c'est bon. Stop. C'est bon. Si vous pouvez vous arrêter de vous inscrire, s'il vous plaît. Même en ligne. Oui, s'il même vous plaît. En ligne, hein. Les classes en ligne, arrêtez. On vous voit. S'il vous plaît. Comme ça, on passe à la question. Ouais. Alors, tu peux pas passer à... Non. Là, c'est bon, normalement. Ah non, ça. Il y a une dernière personne qui s'est inscrite. Sinon, on va pas pouvoir faire le caout. Sinon, on pourra pas faire le caout et on vous posera la question à main levée. Ouais. Alors. Voilà, s'il vous plaît. Donc, on s'arrête. Arrêtez de vous inscrire. Voilà. Alors, quelle est la question? Okay. Donc, arrêtez parce que sinon, on ne peut sinon, pas, vous pouvez pas avoir passer la question. À la question. Vous connaissez Kaout. Donc, bah, sinon, dis la question à l'oral, hein, parce que sinon, ça ne s'arrête pas. Okay. C'est pas grave. Dommage. On ne saura pas si vous avez bien écouté. Ouais. On va vous donner la question à l'oral et puis bah, vous avez... Vous... D'accord. Donc, est-ce qu'on peut passer à la slide de présentation, s'il vous plaît? Merci. Donc, le caout, ça, c'est pas possible parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui s'inscrivent et on ne peut pas passer la question. Donc, la question est, quelles sont les étapes du parcours du médicament? Donc, réponse A, la recherche, le développement précoce, le développement avancé. Réponse B, fabrication, analyse, mise en vente dans les pharmacies. Ou bien réponse C, production et développement. Donc, on va faire à main levée. Réponse A, qui lève la main? D'accord. Okay. Réponse B, par là-bas? D'accord. Et réponse C? Ok, d'accord. On a trois mains levées là. Donc la bonne réponse est
Ah, bien sûr. C'est la réponse A. Recherche. Du coup, c'est recherche, précoce. Développement précoce voilà, et développement bravo. Avancé. Bravo. Bon, c'est un bon début, mais maintenant, on va vous parler donc un peu plus dans le détail du parcours, du cursus pour arriver à travailler dans l'industrie du médicament et puis aussi des métiers ensuite. Mais pour le cursus, je vais appeler Anulpa et Cédric Montpion, qui sont donc psychologues de l'éducation nationale du CDIO de la Cité des métiers. Merci pour votre présence. T'as pas de micro, toi, du coup ? Bonjour à tous. Bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc nous sommes psychologues de l'éducation nationale. Moi, je suis Cédric Montpion. Donc, je travaille au CIO Mediacom. Je suis accompagné de ma collègue qui va se présenter elle-même, d'ailleurs. Donc, Anne Hulpa. Donc nous sommes psychologues de l'éducation nationale. Nous sommes les mêmes qui travaillons dans vos établissements, qui vous renseignons toute l'année sur l'orientation, sur les formations, qui pouvons vous informer sur les différents métiers que vous pourriez exercer plus tard. Si vous êtes au collège, on est présent également au lycée. Donc vous pouvez nous rencontrer dans vos établissements, mais sachez que vous pouvez nous rencontrer ici à la Cité des métiers. Nous travaillons dans un centre d'information et d'orientation à Paris, qui a la particularité de travailler plutôt chez des partenaires, dont la Cité des métiers. Vous nous trouverez à la Cité des métiers, donc du mardi au samedi, et même pendant les vacances scolaires, sans rendez-vous, gratuitement, si vous avez des questions par rapport à l'orientation ou par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment si vous voulez faire un focus, en savoir plus, ou savoir par exemple quelles sont les meilleures voies pour aller travailler dans les industries de la santé, quels sont les enseignements de spécialité à choisir, quels sont les parcours qu'on peut réaliser pour travailler dans les industries de la santé. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, je sais pas. Si Cédric, tu as peut-être pas parlé de notre CIO, notre centre d'information et d'orientation, qui se trouve donc dans le 13e, donc à l'autre bout de Paris, hein, à côté du métro Bibliothèque François Mitterrand. Et donc là, on peut également vous accueillir, cette fois sur rendez-vous, quand précisément vous avez besoin d'un moment un petit peu long, éventuellement, pour discuter de votre orientation, de problématiques autour de l'école, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà, donc là, n'hésitez pas non plus. CIO Mediacom, on n'a pas de secteur scolaire, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, y compris de province, y compris même de l'étranger, à la limite, et de passage à Paris, peut venir nous voir. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Alors, après la vidéo et après le caout, je pense que maintenant, vous êtes à peu près un collapse sur le cycle de vie du médicament. Donc, cette petite slide va vous parler notamment sur quels sont les métiers de l'industrie de la santé et médicaments que nous avons classés donc, par différents domaines, que vous avez déjà pu repérer grâce à la vidéo. Notamment, on va commencer par l'étape très importante qui est la recherche et le développement de médicaments. Vous avez effectivement différents métiers, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui participent à la recherche et le développement. Vous avez, par exemple, les opérateurs, vous avez les coordinateurs d'études cliniques, vous avez des biostatisticiens qui participent, effectivement. Des tas de métiers participent à la recherche et le développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'études, vous allez retrouver différents niveaux, que ce soit niveau bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. On va y revenir tout à l'heure. Mais comme on vous a effectivement séparer les différents domaines pour que vous puissiez mieux appréhender les métiers de l'industrie de la santé, du médicament. Mais en fait, sachez que ce n'est pas aussi statique et vous allez pouvoir le voir à travers ce qu'on va vous présenter tout à l'heure et à travers les intervenants, que parfois, ça se mélange un petit peu. Après la recherche et le développement, vous l'avez vu, on passe à la production du médicament ou du vaccin, par exemple. Vous avez différents corps de métiers qu'on va retrouver comme les opérateurs, opératrices de production, des techniciens de maintenance, des techniciens en bioproduction, des métiers d'ailleurs qui aujourd'hui recrutent beaucoup, sachez-le. Donc d'ici quelques années, ce sera encore le cas. Donc si vous avez des vocations pour les industries de la santé, retenez qu'effectivement, on recherche dans la production, bien évidemment aussi dans la recherche et le développement. Vous avez aussi un secteur qu'on n'a pas trop abordé dans la vidéo, mais qui est très important, c'est tout ce qui touche à la qualité et à la sécurité, bien évidemment. On parle de médicaments, on parle de vaccins, donc on parle de santé, ça nous concerne tous et c'est très important. Donc il y a effectivement une veille particulière, une pharmacovigilance autour de la qualité et de la sécurité. Alors on va avoir besoin pour ça des techniciens de laboratoire de contrôle, par exemple, de responsables de contrôle qualité. Donc c'est une part très importante dans l'industrie de la santé. Et pour ceux qui
je tiens à le dire, ne sont pas encore aujourd'hui très tentés par la biologie ou par la physique ou par les sciences en général, sachez que les industries de la santé vont vous demander effectivement une attirance, une appétence pour ces domaines, mais on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, être attiré par autre chose et travailler dans les industries de la santé. Par exemple, le marketing et la communication sont très importants dans cet univers. Marketing et communication qu'on trouve partout, mais qui là a effectivement une coloration, une identité particulière, puisqu'elle est soumise à des réglementations très précises qu'il faut connaître et sur lesquelles on, effectivement, on ne peut pas déroger. Vous avez l'Agence nationale notamment du médicament, de la sécurité du médicament qui encadre tout ça. Le marketing et la communication justement répond aussi à des obligations légales, à des particularités du domaine qu'il est très important de connaître. Mais effectivement, si vous avez une attirance pour ce domaine sans vouloir absolument devenir des spécialistes en biologie, par exemple, le marketing et la communication sont là, notamment pour vous. Et il y a aussi la partie terminale, la partie commercialisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a communiqué sur le produit, on va pouvoir le proposer effectivement à des prescripteurs, comme les médecins, par exemple. Et on aura besoin effectivement de gens qui ont la fibre commerciale et qui sont attirés aussi par le domaine de la santé. On aura besoin, par exemple, de délégués pharmaceutiques, d'ingénieurs commerciaux, et ça, à différents niveaux, on va y venir un petit peu après tout à l'heure. Mais de manière plus générale, les industries de la santé, pour que vous ayez une vision un peu plus large, on l'a vu, hein, c'est développer, produire, diffuser des médicaments, des vaccins. Ce sont des acteurs variés. Il y a évidemment des grands groupes pharmaceutiques que vous connaissez déjà. Vous avez aussi des PME, vous avez aussi des startups, ce qu'on peut appeler notamment tout à l'heure les medtech, on en parlait, des choses qui se développent beaucoup, biotech, medtech. Vous avez des entreprises du dispositif médical, là ça va être effectivement tous les appareillages qui tournent autour de la santé, notamment pour vous aider dans votre quotidien lorsque vous êtes en situation difficile au niveau de la santé. Ce sont des recruteurs potentiels pour les jeunes diplômés et aujourd'hui il y a des perspectives très positives en termes d'emploi notamment. Il faut savoir qu'effectivement, c'est 8 milliards de boîtes de médicaments qui sont produits en France chaque année, donc un chiffre colossal. 100 000 personnes travaillent dans la recherche, dans la fabrication, dans la commercialisation ou aussi dans la surveillance. Et on recrute en moyenne, alors je pense que les chiffres augmentent un petit peu, c'est les chiffres de l'année dernière, mais on recrute en moyenne 10 000 personnes par an. C'est pour vous dire effectivement l'ouverture qu'il y a en termes d'emploi. Donc, ça marche. Voilà, donc les études, juste pour vous donner un petit panorama, on ne va pas entrer dans chaque diplôme, on ne va pas entrer dans chaque parcours, c'est pour vous donner un peu une idée générale de ce que l'on peut faire et à quel niveau. Et comme vous pouvez le voir là, du CAP au doctorat, bon, voilà, vous avez compris, c'est vraiment post-3e, post-2 ans jusqu'à Bac+8, vous voyez. Donc en passant évidemment par les différents baccalauréats, qu'ils soient professionnels, généraux, technologiques, les BTS, donc on est d'accord, c'est à Bac+2, les BUT qui maintenant sont à Bac+3, les licences et licences professionnelles, les masters, les doctorats, les écoles d'ingénieurs, j'ajouterai les écoles de commerce, bien sûr, on l'a dit, et également les filières médicales, proprement médicales. On peut tout à fait être médecin, être pharmacien, puis ensuite se réorienter, je dirais, se reconvertir dans l'industrie de la santé. Voilà. Et de nombreuses passerelles entre différents types de parcours sont possibles. Alors, excusez ma voix. Donc, le cycle de vie du médicament, on vous l'a un peu présenté, et Cédric vous l'a rappelé. Donc, les recherches et développement, comme vous l'avez compris, une étape absolument majeure, éventuellement très longue, et où un certain nombre de métiers, de fonctions sont concernés. La production, évidemment, à un moment donné. Les questions de qualité et de sécurité qui, en réalité, irriguent toute la chaîne, hein, en particulier recherche et développement et production, mais même après le marketing et la vente. Le marketing donc et la commercialisation et la communication pardon autour de tel produit, tel médicament que l'on va sortir, et puis enfin la vente et la commercialisation de ces 10 produits et médicaments. Voilà. Donc on commence par la fameuse étape donc recherche et développement. Donc ça vous donne ce schéma vous donne un peu une idée encore une fois assez générale de ce que l'on peut trouver comme parcours de professionnel dans ce domaine. Donc, on peut d'abord travailler dans des start-up, qu'on appelle des start-up biotech, des centres de recherche, des laboratoires universitaires, etc.
ça va demander en effet des compétences et des connaissances vraiment multiples et à des niveaux très, très différents. Des exemples de métiers, alors Cédric vient de vous les donner, les opérateurs, les techniciens. Alors, les opérateurs, quand vous voyez ce terme, opérateur, agent, si éventuellement, on est à des niveaux, par exemple, bac professionnel. Et un certain nombre de bacs professionnels peuvent correspondre à ces industries. Donc, vous voyez, à partir du bac pro, on peut travailler dans ce genre de domaine. Vous avez ensuite les techniciens. Alors, les techniciens, on est le plus souvent à des niveaux bac plus 2, donc souvent BTS, ou bac plus 3. Alors, les bac plus 3, ça peut être un BTS plus une année de licence professionnelle, par exemple. On est à bac plus 3. Ou bien, ça peut être un BUT, qui, lui, nous emmène directement sur 3 ans et l'équivalent d'une licence professionnelle à la fin également. Et puis, on a évidemment d'autres fonctions comme le biostatisticien ou la biostatisticienne, etc. Et des postes à plus de responsabilités, où là, on arrive à des niveaux master, master pro. Master et master pro, on est à bac plus 5. Donc, on a une licence d'abord en 3 ans, puis 2 années de plus, on est au master. Et puis, ça peut être également à bac plus 5, une école d'ingénieur qu'on peut avoir faite directement après le bac ou après 2 années de prépa ou après... Bref, différents modèles aussi pour arriver à être ingénieur. Et puis, les filières de santé, bien évidemment, qui restent aussi une filière qui peut ensuite, comme je vous l'ai dit, se reconvertir dans l'industrie. Voilà. Donc ensuite, on passe au grand domaine de la production. Mon collègue vous rappelait qu'il y a effectivement des besoins croissants dans ce domaine-là aussi. Là aussi, on a donc au niveau des opérateurs, comme je vous l'ai dit un peu avant, un certain nombre de bacs professionnels. Alors, je les ai listés quand même pour vous donner un petit peu une idée des choses. Enfin, j'en ai listé quelques-uns. Par exemple... Oui, par exemple, bon, la maintenance des équipements industriels, la logistique, la bio-industrie de transformation, ce sont différents types de bacs pro qui correspondent aux grandes, aux grands axes de ce domaine. Donc, fabrication et conditionnement, maintenance et logistique, ce sont vraiment 3 axes importants du domaine de la production. Donc, les opérateurs, effectivement, au niveau du bac. Les techniciens, techniciennes au niveau du bac plus 2, bac plus 3, comme je vous l'ai dit, BTS, BUT, licence ou licence professionnelle. Alors, un exemple de BTS de ce domaine, bioanalyse et contrôle. Un exemple de BUT, génie chimique, une licence de biologie, par exemple, aussi. Et ensuite, on peut passer au niveau au-dessus, donc au niveau de plus de responsabilités avec des masters. Je vous en prie. Alors, je comprends que ça parle peu. C'est difficile de vous le détailler vraiment. Ce que je peux vous dire, et ça, c'est vraiment, je comptais de toute façon vous en parler. Vous allez trouver sur Internet, de manière gratuite et complètement accessible à tout le monde, un Zoom métier. Qui est fait par l'ONICEP en collaboration avec le LEM, qui s'appelle « Les métiers de l'industrie du médicament », où on a pris un certain nombre d'ailleurs d'informations et où vous allez pouvoir retrouver des exemples justement de professionnels qui parlent de leur métier. Il y a un gars, par exemple, qui parle de... Il est opérateur. Je peux vous lire quelques lignes, si vous voulez. Voilà. Allons-y. C'est vrai, vous avez raison que ça ne parle pas forcément beaucoup, effectivement. Alors. Donc, nous avons l'exemple de François, qui est opérateur en culture cellulaire. Donc, c'est encore quelque chose de spécifique, vous voyez. C'est un exemple. Donc, François a décidé de s'orienter vers la biotechnologie pharmaceutique après avoir découvert la recherche sur le vivant lors d'un stage. La possibilité de produire des médicaments innovants
qui permettront de sauver des vies donne tout son sens à son travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme ? Alors, il a fait déjà comme parcours un bac plus... Alors, lui a fait un bac plus 3. Donc, vous voyez comme quoi on peut aussi être opérateur et avoir des diplômes supérieurs au bac. Travaille sur des projets de développement de procédés pour des clients. Notre action, dit-il, les aide à produire de nouveaux médicaments de thérapie génique ou des vaccins à échelle industrielle. Pour cela, nous éditons un rapport sur la procédure à suivre pour pouvoir reproduire parfaitement ce que nous avons fait en laboratoire. Chaque jour est un challenge, etc., etc. Par exemple, il nous dit que les cellules qu'il décongèle ne se multiplient pas toujours comme c'était projeté et le virus que nous injectons, dit-il, ne réagit pas toujours de la même manière. Le client peut aussi faire évoluer sa demande et donc faire évoluer notre travail. Voilà. Donc il fait des manipulations sous une hotte qui filtre l'air selon un protocole précis pour préserver la qualité des produits et garantir la réussite de l'opération. Voilà, il y a beaucoup de questions d'hygiène. Je passe mes mains gantées sous une vitre tandis que mon collègue me transmet les instruments qu'il a stérilisés. Il faut rester très concentré. La motivation première pour moi est de savoir donc que je participe à sauver des vies. Voilà. Est-ce que ça vous parle un petit peu plus ? Hein ? C'est un peu plus net. Après, ça va être illustré, effectivement. Oui, c'est ça. Vous avez également un certain nombre d'intervenants qui vont nous... Les intervenants qui vont suivre vont justement, comment dirais-je, éclairer de manière vraiment de leur profession. Ils vont vous parler vraiment de ce qu'ils font de manière très concrète. Voilà. Donc là, on était sur la production. Donc voilà, on est arrivé au master. Et là, on est donc dans un autre domaine qui est le domaine de la qualité et de la sécurité. Évidemment, merci Cédric, évidemment que dans ce domaine, ce domaine est particulièrement important là aussi dans ce secteur. Donc le contrôle de la qualité, la sécurité, ce sont vraiment les actions tout à fait importantes de ce secteur. Donc quelques métiers qui sont des exemples, donc un technicien ou technicienne de laboratoire de contrôle, un responsable ou une responsable de contrôle qualité, éventuellement des experts scientifiques, là en l'occurrence l'experte scientifique qui est prise en exemple dans le bouquin dont je vous ai parlé, est une dame qui est médecin, qui est spécialiste d'un domaine très spécifique et qui, au bout d'un certain temps, est donc devenue une experte de cette pathologie ou de sa spécialité très spécifique donc. Quelques exemples de diplômes dans les BTS, le BTS de biotechnologie évidemment qui va être pas mal représenté, le BTS des métiers de la chimie. Ces BTS peuvent donc être suivis ou pas par une année de licence professionnelle qui professionnalise, c'est le cas de le dire encore plus, le diplôme. Ou bien on choisit d'intégrer un BUT qui, en 3 ans, donc, nous professionnalise également. Par exemple, un BUT génie chimique. Voilà, des licences diverses et variées, comme la licence sciences de la santé ou une licence de chimie ou de biologie, etc. Ces PGE, ce sont donc les classes préparatoires aux grandes écoles qui peuvent mener, donc pour les classes préparatoires scientifiques, qui peuvent mener aux écoles d'ingénieurs, tout ça en 5 ans, et la filière médicale, bien entendu. Et puis, au-dessus des licences, en particulier des licences générales à l'université, on va trouver des masters, différents types de masters, qui ont un lien avec cette question. J'ajoute un autre domaine qui en réalité est toujours très présent et qui va venir, que ce soit sur les 5 grandes étapes dont on a parlé, c'est le domaine réglementaire, le domaine de la réglementation. On va aussi avoir besoin, par exemple, de juristes dans ce secteur, parce que tout est quand même très cadré, très contraint parfois, y compris la publicité que l'on peut faire pour un produit médical.
tout ça est quand même très, très spécifique et doit répondre à des règles tout à fait précises et importantes. Voilà, donc c'est aussi un domaine. Je passe la parole à mon camarade. Merci. Après toutes ces filières plutôt scientifiques, je voudrais rassurer ceux qui sont au collège et qui sont aujourd'hui au lycée et qui n'ont pas appris d'enseignement scientifique, par exemple, qu'on peut avoir une attirance pour le domaine de la santé, je le répète. On peut avoir envie d'un métier qui a du sens et travailler dans une industrie qui a du sens, notamment parce que justement ça touche à la santé. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le marketing et la communication. C'est quand même un maillon important entre dans ce qu'on a vu, donc la production et puis la commercialisation qui va venir après. On s'adresse... Il faut le savoir quand même, une cible de professionnels de la santé, donc c'est une cible bien, bien précise. Et comme on vient de le dire, effectivement, il y a un cadre réglementaire là, effectivement, qui est très présent et qui cadre, c'est le cas de le dire, de manière assez stricte. Donc on a des métiers du marketing, on va dire classique, hein, chargé d'études marketing, chef de produit, chargé de projet santé. En fait, ce sont des études plutôt classiques, par exemple d'école de commerce, si on le souhaite, on peut commencer par une école de commerce. On peut aussi passer par l'université. Et finir sur un master marketing de la santé ou gestion de la santé, c'est-à-dire vraiment des filières adaptées à cet univers, notamment de l'industrie du médicament. Mais on peut aussi, par exemple, commencer par des études en pharma, si on a envie au départ de faire une filière santé, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc devenir médecin, devenir pharmacien ou pharmacienne. On peut finalement, à la fin, ne pas ouvrir une officine en pharmacie et décider de rejoindre les industries du médicament. On peut ajouter effectivement très facilement une formation marketing. Et à partir de là, les doubles compétences sont particulièrement appréciées puisque vous êtes à la fois très compétent, bien sûr, par le métier sur le domaine de la biologie, de la pharmacologie. Et en plus, vous savez aussi promouvoir un produit. Donc, c'est des profils très intéressants pour l'industrie. Donc, juste vous rassurer, voilà, si aujourd'hui, vous êtes fâché un peu avec la SVT, avec la chimie, eh bien, vous êtes quand même bienvenu dans les industries de la santé. On a besoin de profils tout à fait divers. Autre chose, bien sûr, essentielle pour l'industrie, c'est la commercialisation et la vente. Il faut savoir qu'effectivement, les commerciaux, les vendeurs représentent l'entreprise pour laquelle ils travaillent, représentent peut-être le laboratoire pour lequel ils travaillent. L'objectif, c'est de présenter les nouveaux produits, les nouveaux médicaments, pourquoi pas les nouveaux vaccins, ou en tout cas les dernières innovations auprès notamment d'un public cible qui sera un public de spécialistes, notamment les médecins, par exemple. On a quelques métiers qui sont connus sous le terme de délégués hospitaliers, délégués pharmaceutiques, voire ingénieurs commerciaux dédiés aux industries de la santé. Diverses filières sont possibles. On peut tout à fait faire un BTS technico-commercial, même si ce n'est pas dédié à la santé au premier abord. Ce sont des compétences qu'on acquiert et qui sont très utiles pour justement après travailler pour l'industrie du médicament. On peut aller après le BTS, rajouter une année, faire une licence professionnelle qui, cette fois, elle sera vraiment ciblée, dédiée effectivement au domaine avec promotion des produits de santé. On peut envisager une licence professionnelle qui s'appelle visite médicale. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des certificats de qualification professionnelle qui vous donnent effectivement l'appellation délégué pharmaceutique, par exemple, ou des diplômes universitaires qu'on peut rajouter le temps des études, par exemple des études de biologie, pour devenir visiteur médical. Donc, si, je le répète encore une fois, même si vous n'avez pas appris d'enseignement de spécialité scientifique, même si vous ne vous dédiez pas justement à ces matières-là, sachez qu'effectivement, dans le commerce, le marketing, on a aussi des besoins importants et que si ce domaine vous intéresse, sans devenir un expert, vous pouvez effectivement rejoindre les industries de la santé. Alors, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur comment est-ce que les métiers peuvent enfin nous parler, parce qu'on vous a cité plein de métiers très, très précis, mais qui ne vous parlent pas encore, là, la suite va donner un peu plus de corps, effectivement, grâce aux intervenants. Vous allez pouvoir comprendre de manière un petit peu plus large quels sont les métiers effectivement existants, comment la promotion peut se faire en interne. Et on va vous parler d'un site très intéressant qui s'appelle le LEM, L-E-E-M, les industries du médicament, que vous pouvez visiter pour deux choses. Un, pour vérifier, effectivement, découvrir les métiers. Il y a des fiches métiers très précises qui décrivent très, très bien ce qui se passe pour chaque métier, qui sont extrêmement bien faites et qui sont actualisées. Et vous avez aussi, pour corroborer le fait qu'effectivement, on vous parle qu'il y a des opportunités d'embauche, qu'il y a plein de choses possibles à faire, il y a aussi des offres d'emploi et des offres d'alternance. Donc, ça peut vous donner une idée, effectivement, de la vivacité, du dynamisme du domaine sur ce site. Mais on va vous en reparler juste après. Dernière chose, pour ceux qui sont intéressés plutôt par le numérique que la santé ou des domaines autour du médicament, eh bien, vous le savez, le numérique est partout, hein, ça touche absolument tous les domaines. Alors évidemment, la santé n'y coupe pas. On prévoit que l'année prochaine, 34% des embauches se feront dans le domaine du numérique,
tous domaines confondus. Donc le numérique a un impact énorme. Là, effectivement, on pourrait le voir, on va sûrement en parler après. Le numérique a sa place, effectivement, aussi dans l'industrie de la santé, ne serait-ce que pour la robotisation. Alors, on parlait des opérateurs, justement, de production, qui vont être en lien avec la robotisation, qui se fait de plus en plus. La maintenance autour de la robotisation va être importante. Vous avez aussi tout ce qui va être big data, l'analyse des données, qui va être important aussi pour la recherche, notamment, mais pour mieux nous accompagner dans la manière dont on vit et dont on va dire organise notre vie autour de notre santé. Par exemple, ça peut être l'automédication, mais ça peut être aussi des études beaucoup plus larges pour voir effectivement, en fonction de certaines populations, quel est effectivement leur besoin plus ciblé. Toutes ces données, il faut les protéger. Donc, on va avoir besoin effectivement d'experts en cybersécurité. Donc, tous ceux qui sont intéressés par la programmation à ce domaine, vous serez les bienvenus. Même chose, ce sont des données qu'il va falloir stocker, qu'il va falloir conserver. On aura besoin de spécialistes du cloud. Et puis, pour aller plus loin, notamment, on vous a parlé tout à l'heure, donc, dans la recherche et développement, on fait parfois des tests sur des animaux, vous avez pu le voir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des simulations numériques aujourd'hui qui existent, qui peuvent remplacer peut-être effectivement cette étape-là. En tout cas, c'est en devenir. Et si tout ce qui est numérique vous intéresse, sachez qu'il y aura aussi beaucoup de choses en termes de formation dans le numérique et dans l'industrie de la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir des étudiants en médecine en fait travailler à distance et notamment sur des concepts plutôt numériques. Quand ils découvrent un corps, aujourd'hui, c'est effectivement à travers le numérique. En 3D, par exemple, c'est très utile. Et puis, vous avez aussi l'Internet des objets, les Internets connectés. On a tous des objets connectés avec nous qui pourront être reliés à des applications, notamment, ou à des conseillers, des experts, pour mieux suivre, nous guider pendant nos périodes de santé défaillante, par exemple, pour nous accompagner, savoir effectivement comment s'organiser notre santé au niveau des médicaments, de la prise de médicaments, par exemple. Mais c'est encore pas exhaustif ce que je viens de vous raconter, bien évidemment, c'est toujours en devenir. Mais sachez qu'effectivement, si vous avez une appétence pour le numérique, c'est un domaine aussi qui peut vous intéresser, lié biologie, par exemple, et numérique. C'est, je pense, une hybridation d'avenir, en tout cas, en termes d'emploi. Voilà, maintenant, on a terminé là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit maintenant ou après, on interviendra régulièrement chaque fois que vous aurez des questions sur l'orientation. Et puis, on va laisser la place aux intervenants désormais. Merci Anne et Cédric, c'était très éclairant, je pense. Et sans transition, j'ai demandé à Julie Langevin, responsable RSE du LEM, de venir nous rejoindre pour nous parler de l'impact sociétal des industries de santé. Un sujet très, très en vogue. Et plus qu'en vogue, très sérieux, Julie. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie ce matin d'être parmi vous. En écoutant ce qui vient d'être dit, on a préparé ensemble depuis plusieurs semaines un petit texte en se demandant quel serait l'impact le meilleur pour vous, qu'est-ce que vous alliez retenir. Et je me dis effectivement peut-être que j'allais revenir sur mon parcours parce qu'on vient de voir pas mal de slides vous expliquant qu'on commence. Qu'il y a plusieurs métiers, qu'ils arrivent un petit peu en silo avec la recherche, avec le développement, avec la commercialisation, etc. Moi, mon métier, il n'est dans aucune des slides que vous avez vues. Voilà, donc ça commence comme ça, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout fait un parcours classique, il est plutôt atypique, mon parcours, et j'avais envie de revenir dessus. Moi, je suis responsable RSE. Donc voilà, quand je dis responsable RSE, souvent on me dit mais qu'est-ce que c'est ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et je travaille pour l'industrie du médicament, pour le LEM. Alors le LEM, donc on en a parlé brièvement, c'est le syndicat qui représente les entreprises du médicament. J'espère que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un syndicat. Un syndicat, c'est fédération souvent d'entreprises, en tout cas c'est le cas pour le LEM, qui représente, le LEM représente 270 entreprises du médicament. Donc on représente les intérêts de 270 entreprises du médicament et on les représente auprès des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dès qu'il y a une loi par exemple qui peut passer et qui peut intéresser nos entreprises, nous on va défendre nos entreprises auprès des pouvoirs publics. Mais mon métier, ce n'est pas que ça, c'est aussi aider les entreprises du médicament à grandir sur leurs responsabilités sociétales, et j'y reviendrai un petit peu plus. Mais mon parcours, d'abord, un petit peu atypique. Moi, j'ai fait un bac S parce que je ne savais pas quoi faire. Et on m'a dit, quand tu ne sais pas quoi faire, fais un bac S. Donc, j'ai fait un bac scientifique qui n'existe sûrement plus aujourd'hui. Et puis après ça, je ne savais toujours pas quoi faire. Et on m'a dit, va faire du droit.
Ça mène à tout. Donc j'ai fait du droit, j'ai eu un master en droit international, et puis j'en avais un petit peu assez, et j'ai fait un master en communication marketing. Suite à ça, j'ai travaillé dans l'industrie du luxe, 3-4 ans, j'ai passé le concours pour être avocate, et puis j'ai pas eu mon concours. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain ? Et on parlait beaucoup d'environnement. Je me suis dit, c'était il y a 10 ans, vous voyez, j'avais déjà 25 ans. Donc c'est vrai que des fois, on se dit à 14, 15, 16 ans, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Des fois, on ne sait pas trop. Et vous voyez, moi, je me suis trouvée plutôt à 25 ans. Donc vous avez de la marge encore. Et j'ai fait un master en droit de l'environnement. Donc, vous voyez, moi, je suis plutôt juriste. Enfin, je suis même juriste. J'ai un double diplôme. Et une fois ce master en poche, on m'a parlé de la RSE. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, effectivement, la RSE. Mais qu'est-ce que c'est que la RSE ? La RSE, en fait, c'est le fait de prendre en compte les externalités négatives d'une entreprise. Alors, c'est un bien grand mot, ces externalités négatives. En fait, ce sont les impacts négatifs que va créer votre entreprise dans le monde, sur son écosystème. Donc, ça va être l'écosystème déjà de son environnement direct. Et effectivement, les entreprises du médicament, on le voit bien, ont un impact sur l'environnement directement du début de la chaîne. Et là, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire depuis la recherche et développement de votre médicament jusqu'à sa fin de vie. On s'aperçoit qu'il y a évidemment des impacts sur le changement climatique, la biodiversité, l'eau et le sol. Ce sont ce qu'on appelle des impacts négatifs. Et donc la RSE, qui prend en compte ces externalités négatives sur le champ de l'environnement notamment, eh bien, on va essayer de réfléchir à comment, sur toute cette chaîne-là, on va pouvoir les traiter et essayer que ces externalités deviennent négatives, deviennent des externalités positives. Ou alors, on va essayer de gommer ces externalités négatives. Alors, c'est bien beau, c'est bien, mais comment on fait ? Je voulais quand même vous parler donc, de l'environnement, c'est important, on en parle beaucoup. Mais la RSE, c'est pas que l'environnement, c'est aussi la partie sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire comment mon entreprise va générer de l'emploi dans une collectivité territoriale, par exemple. Vous êtes là, on est en Île-de-France, mais on a des entreprises qui sont basées à Castres, qui sont basées à Lyon, qui sont basées partout en France. C'est finalement comment on va avoir du travail pour les personnes qui vivent dans la localité de l'entreprise et comment finalement on va aussi chercher vous et comment vous, plus tard, vous allez pouvoir venir travailler dans notre industrie pardon, et comment on va réussir à vous capter dès votre plus jeune âge, entre guillemets. Et c'est en vous exposant effectivement tous ces métiers-là. Et enfin, la RSE, c'est le pilier, donc R pour donc la responsabilité, mais on a un pilier pour l'environnement, pour le social. Donc voilà, je viens de vous l'expliquer, c'est l'impact social de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur de son entreprise, comment on motive ses salariés à rester au sein de l'entreprise. Vaste sujet, le télétravail aujourd'hui prend une grosse part et ça en fait partie, il n'y a pas que ça. Et un troisième pilier qui est l'économie. Et au milieu de ces trois piliers, je ne sais pas si d'ailleurs on a un petit schéma pour vous. C'est pas celui-là, peut-être qu'on l'a pas. On a un schéma classique et vous irez voir si ça vous intéresse. On a trois cercles, donc qui est l'environnement, l'économie et la partie sociale. Et au milieu de ce cercle, on a cette fameuse RSE, ce fameux durable, c'est-à-dire comment on a finalement un emploi durable. Et moi, c'est ce que je fais. C'est comment j'aide les entreprises du médicament à développer ces trois piliers qui sont l'environnement, notamment le développement durable, la partie sociale avec les droits humains, comment on respecte les droits de l'homme, et la partie économique, donc c'est-à-dire un emploi local, par exemple, qui va être créé par l'entreprise. Donc quand j'ai dit ça, je vous ai peut-être déjà un petit peu perdu, et il y aura des questions sûrement, en tout cas je l'espère. C'est un emploi qui ne s'est pas retrouvé dans ce qu'on vous a présenté, tout simplement parce que c'est un emploi qui ne rentre pas ni dans la recherche et développement, ni dans la partie commercialisation. En fait, c'est un emploi transverse. C'est un emploi qui va toucher à tous les piliers. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler dans l'industrie du textile quand j'ai commencé à faire de la RSE, une petite boîte.
J'ai fait plein de choses très différentes. J'ai ensuite travaillé dans l'industrie de l'automobile pour me retrouver ensuite dans l'industrie pharmaceutique. Donc des industries très différentes, mais j'ai travaillé dans des entreprises dans différents domaines, ce qui me permet de bien connaître l'entreprise pour pouvoir aujourd'hui parler de différents départements qu'il y a dans une entreprise. Et c'est très important quand vous êtes responsable RSE, puisque le responsable RSE, il va coordonner la stratégie qui va être mise en place par les différents départements. Quand on fait de la recherche et développement, l'idée, c'est de savoir in fine comment votre molécule, elle va être ingérée par le patient. Et évidemment, le patient, quand il ingère une molécule, un médicament, eh bien, il va l'extraire en allant aux toilettes, par exemple. Et évidemment, ensuite, ça s'évacue dans les eaux résiduaires qu'on va retrouver, les eaux qui vont être retraitées par la ville, etc. Et ça va se retrouver in fine dans l'environnement. Vous avez peut-être vu certains reportages où les poissons qui deviennent masculins, qui deviennent féminins. Voilà. Il y a des impacts non négligeables des médicaments sur notre environnement. Et donc l'idée pour la RSE, c'est de se dire comment cet impact-là, je peux faire, moi, en tant que chercheur, sur ma partie recherche et développement, comment je peux essayer d'avoir un médicament qui va impacter le moins possible au bout de ma chaîne, c'est-à-dire à sa fin de vie, comment je vais pouvoir faire qu'il impacte moins, finalement, l'environnement, tout simplement. Et ça, c'est mon travail que de travailler avec des chercheurs, mais de travailler aussi avec des fournisseurs de nos entreprises, puisque les fournisseurs des entreprises, par exemple, vont fournir des packaging. Le packaging, il peut venir d'Asie. En venant d'Asie, eh bien, évidemment, on a tout un transport qui va être impactant, coûteux en termes de CO2. On en parle beaucoup. Donc, comment on va réduire ce packaging qui arrive d'Asie? Est-ce qu'on ne peut pas le réduire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des nouveaux matériaux? Donc là, moi, je vais travailler avec des ingénieurs ou alors des responsables packaging au sein des entreprises du médicament. Et on va coordonner ensemble des stratégies pour essayer d'impacter moins négativement, d'essayer de gommer ces impacts qu'on peut avoir sur l'environnement, par exemple, ou sur le social. On peut effectivement, ce n'est pas le cas de nos entreprises, mais on sait aujourd'hui que dans certaines industries, dans des pays très éloignés, des enfants travaillent pour aller chercher des minerais, par exemple, très rares. Aujourd'hui, la RSE, on essaye de respecter les droits humains. Les droits humains, c'est le travail des enfants. Aujourd'hui, il y a des lois qui l'interdisent. Eh bien, c'est comment on s'assure que nos entreprises ne font pas appel à des fournisseurs qui, eux, vont faire appel à des enfants pour aller chercher tel ou tel minerai, par exemple. Et ça, c'est moi qui vais coordonner avec les personnes des entreprises pour mettre en place des pratiques qu'on dit responsables d'achat. On appelle les achats responsables. C'est quoi les achats responsables dans l'entreprise? C'est donc acheter plus vert, du papier qui ne va pas venir de la déforestation, par exemple, mais du papier recyclé. Et donc ça, c'est mon travail. Finalement, d'infuser toute cette durabilité au sein de l'entreprise et au sein de tous les départements de l'entreprise. Donc moi, je travaille vraiment de manière transversale. Je n'ai pas un métier qui s'inscrit plus ou moins dans un département. Mon métier est de rassembler tous les départements pour avoir une stratégie globale qui aujourd'hui, effectivement, cette stratégie, on la retrouve de plus en plus au cœur même des entreprises. Puisque les entreprises, pendant longtemps, eh bien, elles se sont aperçues, enfin en tout cas, elles travaillaient sur la fabrication donc, d'un médicament et surtout sur le patient et sur son parcours patient et avoir une technologie pour soigner le patient. Aujourd'hui, on sait que soigner un patient et donc découvrir un médicament, malheureusement, il a ses effets donc, qu'on vient de voir, donc, qui peuvent être négatifs sur notre environnement, sur la partie sociétale et sociale également. Et donc, on veut aujourd'hui que ce médicament n'ait pas un effet négatif pervers, en quelque sorte, puisque tout est lié, et on peut passer, Yvi, si tu veux,
au schéma suivant. Aujourd'hui, les entreprises de la santé, et vous le savez tous, on en entend parler, tout le monde en entend parler aujourd'hui, l'environnement, le changement climatique, pas plus tard que... Hier, il y a eu un séisme très important avec beaucoup de morts à l'autre bout du monde. Alors, c'est vrai qu'on en entend parler, puis on n'est pas vraiment touché. Donc, finalement, ça nous intéresse peu. Mais on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, ce qui est pollué à l'autre bout de la planète revient en boomerang aujourd'hui dans nos pays. Et si, grâce à un médicament, on soigne des personnes, on n'aurait pas envie que ces médicaments... les mêmes qui soignent, puissent détruire l'environnement et détruire finalement la santé d'autres personnes. Finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est un peu ce schéma-là qui est le schéma du One Health. En anglais, One Health, concept du One Health, une même santé. Une même santé parce qu'on a la santé de l'environnement et on s'aperçoit que notre environnement aujourd'hui, il est en moins bonne santé qu'avant. On s'en aperçoit tous les jours. La santé humaine et la santé animale. Et au carrefour de ces trois cercles, vous avez une et même santé. J'ai juste envie de vous donner un exemple. Un exemple qui moi, m'a frappé quand j'ai commencé à travailler justement pour l'industrie de santé. Quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, on m'a donné un exemple du One Health. C'est un concept un peu flou. Et on m'a dit, voilà, en Inde, il y a une vingtaine d'années, il y a des vautours. Tout le monde sait ce que c'est, les vautours. Et le but des vautours, c'est d'aller dépecer les carcasses. C'est un animal assez, très intéressant et très utile, surtout. C'est un charognard. Il est vraiment là pour, manger toutes les carcasses pour que ces carcasses ne pourrissent pas et ne créent pas, justement, de maladies. Et en Inde, peut-être que vous le savez, la vache, elle est sacrée. Et donc, la vache, lorsqu'elle meurt en Inde, on ne la brûle pas. On la laisse... à l'air libre. Et on la laisse à l'air libre, on ne la mange pas non plus. Hein. Et donc, c'est qui vient la dépecer, qui vient justement nettoyer tout ça pour que l'environnement soit de nouveau, lavé de ces corps de vache? Eh bien, ce sont ces fameux vautours. Et les vautours, ils mangent les carcasses de vaches qui ont été soignées il y a 20 ans avec du diclofénac, un médicament... pour l'arthrose des vaches. On a commencé à leur en donner, est-ce que c'était utile ou pas. En tout cas, elles mangeaient du diclofénac, un médicament qui est produit. Et donc, ces vautours ont mangé à leur tour du diclofénac en mangeant les vaches. Sauf que les vautours, ils ne supportent pas très bien ce médicament. Ils ont commencé à mourir. Et plus de vautours, ou pratiquement plus de vautours en Inde il y a 20 ans. Et on pourrait se dire, bon, c'est pas très très grave. Ben, le fait qu'il n'y ait plus de vautours, le fait que ces vautours ne mangent plus les carcasses de vaches, ben, qui va manger ces carcasses de vaches? Ben, là, du coup, ça va être les chiens, ça va être les rats. Sauf qu'eux, ils n'ont pas les mêmes appétences que le vautour, c'est-à-dire que les rats et les chiens, eux, ils développent des maladies, la rage notamment. Et donc, ils ont commencé à manger ces carcasses, ils avaient la rage, et puis là, ils ont commencé à mordre la population indienne. Donc du coup, il a fallu se vacciner contre la rage, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Et donc on voit, et en plus, ça a créé un vrai problème idéologique, même religieux, puisque comme la vache est sacrée, on a demandé à ce que maintenant les corps de vache soient brûlés, alors que ce n'était pas dans l'idéologie en fait des Indiens. Et donc on s'aperçoit qu'à cause d'un médicament qui a été donné à un animal... Eh bien, toute une chaîne a été rompue parce que finalement, ça a impacté négativement le cycle de vie et de la fin de vie de cette vache en Inde. Bilan des courses, si je puis dire, on a dépensé beaucoup d'argent pour la vaccination en Inde. Les Indiens ont eu un vrai coup religieux, coup d'arrêt, puisqu'on leur a demandé de sacrifier leurs vaches sacrées, etc. Et donc toute une économie qui se gérait très logiquement et toute seule, on a dû y mettre de l'argent qui n'était pas nécessaire au départ, juste parce que les vautours indiens ont disparu. C'est en Inde, mais c'est aussi en France et en Espagne, c'est en train d'arriver. Donc voilà, c'était en Inde il y a 20 ans. On est en train de repeupler l'Inde de vautours.
Mais ça arrive un peu partout et on s'aperçoit finalement que lorsqu'il y a un maillon de la chaîne qui s'arrête, eh bien c'est d'autres maillons qui sont impactés et qui sont impactés négativement. Donc moi, mon métier, c'est de dire, voilà, bah, comment on peut faire ? Bah, c'est d'arrêter de donner du diclofénac aux vaches. Tout simplement, est-ce que c'était nécessaire ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc l'idée, c'est de travailler avec les industries du médicament pour justement essayer de réfléchir à la meilleure manière de prescrire. Moi, je suis pas, c'est pas moi qui vais faire la. Évidemment, c'est pas moi qui, en tant que biologiste ou en tant que chercheur, je vais pas chercher un médicament. Mais ce que je peux faire, c'est demander aux chercheurs de réfléchir à l'impact que va avoir finalement sa recherche, in fine, sur l'environnement, in fine, sur la santé animale ou humaine de son médicament. Ah, pardon, excusez-moi, je... Voilà, c'était un petit exemple de ce One Health et de, finalement, un exemple concret qu'on a pu découvrir. Pour terminer, rapidement, eh bien, en tant que responsable RSE dans l'industrie de santé, moi, j'ai souhaité... enfin, c'est un petit peu par hasard que je me suis retrouvée là. Et je suis franchement très contente puisque je travaille avec des personnes qui sont toutes animées par la même motivation, qui est quand même de soigner, de trouver des... Qui est, donc, c'est pour tous ces chercheurs, pour toutes ces personnes qui travaillent dans les différents départements, ça a un vrai sens. Et je dirais, au-delà de ça, c'est qu'on est vraiment dans des entreprises qui ont des valeurs, notamment d'égalité hommes-femmes, importantes, et pour lesquelles je trouve qu'il est, il fait bon vivre de travailler dans ces entreprises-là. Et donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ces métiers. Et si le métier de la RSE vous passionne, comme moi aujourd'hui, il me passionne, je vous invite réellement à aller vous renseigner un petit peu plus, parce que souvent, c'est un métier qu'on ne retrouve pas dans les slides de présentation, parce que tout simplement, c'est un métier qu'on découvre au fur et à mesure, souvent, eh bien, de sa carrière, même si aujourd'hui, il y a des masters en RSE qui se forment. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. On voit toute l'importance de la responsabilité sociétale d'une industrie de santé, bien sûr, parce qu'on est sur la santé. Donc, évidemment, on est tout à fait responsable, en tout cas, bien sûr, chez Sanofi et dans les industries de santé. Ce que je propose, c'est que comme on a pris un peu de retard, on ne passe pas les vidéos. Donc, je m'adresse à la régie et qu'on passe directement à nos tables rondes pour avoir des témoignages tout frais. Donc, la première table ronde, l'apprentissage nouvelle voie vers les métiers de santé. Je vais demander à Florence, à Louise et à Adrien de me rejoindre. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Donc, allez-y, vous pouvez prendre votre micro. Alors, on a pensé à cette table ronde parce que, évidemment, hein, quand on est jeune et on... Ici, on a deux très jeunes. Et puis, bon, nous, on a été jeunes, hein, Florence, quand même. On se posait des questions. On se pose des questions sur vers quel secteur on veut s'orienter, quel parcours je peux faire, et sans pour autant connaître le monde de l'entreprise. Quelquefois, ben voilà, en stage de troisième, c'est la première fois que vous poussez les portes d'une entreprise. Donc, c'est ça qui est génial dans l'apprentissage. Et dans cette table ronde, justement, Florence, tu vas nous parler de l'apprentissage, de l'alternance, qui est une option qui est de plus en plus choisie par les jeunes aujourd'hui. Alors, j'ai un chiffre clé, c'est 720 000 contrats en apprentissage ont été signés l'année dernière. Donc, c'est une croissance énorme, un franc succès. Donc, tu vas nous expliquer précisément ce qu'est l'apprentissage, ce que ces jeunes ici peuvent apprendre grâce à cette voie, et puis aussi peut-être comment ça peut favoriser leur carrière. Et ensuite, bah, je poserai des questions à Louise et Adrien, qui sont deux alternants chez Sanofi, nous ont fait le plaisir aussi de nous rejoindre ce matin. Merci Diane, bonjour à tous. Donc en effet, l'alternance, qu'est-ce que c'est ? L'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formation qui alterne des périodes en entreprise et des périodes en formation, hein, avec un enseignement scolaire. Donc il y a une partie
qui est en cours, et puis une partie également très concrète en entreprise, qui peut se faire sous différents types de rythmes, hein, d'alternance. Tout existe, et ça vous a été présenté précédemment, hein, au niveau du CIO, à travers les différents types de diplômes, de formation, hein, du bac au bac plus 5 et même au-delà, et avec des rythmes d'alternance différents selon le diplôme, selon la formation qui a été identifiée. Donc ça peut être, par exemple, 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, ou à l'inverse, des formats de 3 jours, 2 jours, ou 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Voilà, différentes formules qui existent et qui vous permettent d'avoir un pied dans l'entreprise et de pouvoir poursuivre un petit peu votre carrière et définir votre choix en termes d'évolution professionnelle. Alors pourquoi c'est une formation gagnant-gagnant, l'alternance ? Tout d'abord, pour l'entreprise, c'est vrai que ça permet de former nos talents pour les métiers de demain. On l'a évoqué, hein, à travers notamment la RSE, ça a été dit, c'était un bel exemple, mais également le digital, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vous ont été présentées ce matin, où, en effet, on recherche des talents pour ces métiers de demain. Pour vous, clairement, c'est une opportunité, comme je l'ai dit, de pouvoir être au sein d'une entreprise, de pouvoir découvrir tous les différents métiers qu'il y a au sein de l'entreprise et vraiment de pouvoir avoir une expérience concrète qui est importante après en termes d'employabilité sur le marché du travail. C'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage, 6 jeunes sur 10 hein, trouvent dans les 6 mois un poste pérenne. Donc c'est vraiment, là aussi, vraiment des statistiques qui sont très favorables au niveau des formations en alternance. Donc Diane l'a dit, au niveau France, c'est vrai qu'il y a eu plus de 720 000 contrats en 2020. C'est plus de 37% hein, de contrats signés en alternance par rapport à 2020. Et c'est également vrai, hein, cette croissance importante de formation en alternance pour ce qui concerne l'industrie du médicament, puisqu'on a plus de 6 500 alternants donc au niveau de l'industrie du médicament. Alors vous allez me dire concrètement chez Sanofi, donc Sanofi, vous le savez, acteur important sur le territoire français dans l'industrie de la santé. Nous avons 25 000 collaborateurs en France. Alors j'ai pas de caout, même si on a eu des petits soucis techniques. Mais savez-vous combien d'alternants nous accueillons pour 25 000 collaborateurs en France chaque année chez Sanofi ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Un chiffre, un nombre. C'est quoi ? C'est une centaine ? Est-ce que vous avez une idée ? Trois apprentis ? Des milliers ? J'ai entendu oui. Des milliers. On n'entend pas. 10 000 ? 10 000. Alors, des milliers, c'est pas mal. En fait, on en a 1 700. Donc ça, c'est sur 25 000 collaborateurs, hein, donc c'est un point important et c'est vraiment, on s'engage depuis plusieurs années déjà dans l'alternance, puisqu'en effet, je vous ai présenté toutes les opportunités que ça peut ouvrir. Et c'est un point extrêmement important chez Sanofi à travers donc, en effet, la partie du recrutement, hein, de recruter ces alternants. On vous a tout à l'heure parlé du portail du LEM qui permet en effet de faire valoir un certain nombre d'offres d'alternance. Donc c'est en effet un point important. Et quand on s'appelle Sanofi, à travers le volume qu'on a également à recruter, c'est un point extrêmement important pour lequel on a aussi
des opérations dédiées. Je vais juste faire une petite diversion sur la partie Place d'Avenir, qui est un très bel événement que l'on a, qui permet également de s'inscrire sur notre volonté de pouvoir recruter des profils diversifiés, et notamment issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc on a différents événements chaque année pour pouvoir recruter justement nos alternants dans plusieurs villes en France. Oui, important ce que tu dis, parce qu'en Ile-de-France et aussi partout en France, donc pour tous ceux qui sont connectés en province, il y aura des dates dans début 2023 qui seront annoncées, des dates et des villes annoncées en 2023. Tout à fait. Et quand je parlais des 25 000 collaborateurs chez Sanofi, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que nous avons une empreinte en France à travers donc différents sites, partout sur le territoire français. Et donc, en effet, nos 1700 alternants sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, ce n'est pas uniquement en région parisienne. Un point important aussi pour nos alternants, c'est la formation. Donc, évidemment, c'est à travers apprendre un métier et peaufiner son parcours professionnel, comme je vous le disais. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me plaît? Et dans quoi je me projette demain. Et donc, apprendre évidemment des compétences techniques, ce qu'on appelle hard skills, c'est quelque chose que vous retrouverez. Et puis également tout ce qui est donc le savoir, évidemment le savoir-faire, mais également tout le savoir-être à travers les soft skills. Et là aussi, on accompagne nos alternants, on a des programmes dédiés par rapport à ça. Et puis, le dernier point, c'est évidemment, je l'ai dit, l'insertion professionnelle, puisque c'est vraiment l'objectif de ce type de parcours. Et donc, je pense que c'est une très belle transition auprès d'Adrien et Louise, puisque moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais quelque part, ce qui est important pour vous, je pense, c'est d'avoir aussi des exemples concrets d'alternants qui ont une expérience chez Sanofi aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Louise, tu es chargée d'assurance qualité opérationnelle. Tu es alternante chez Sanofi. Et on voulait justement te poser la question, peut-être aussi, pourquoi tu as choisi l'alternance? Et puis, ton parcours et en quoi consistent tes journées? Qu'est-ce que tu fais chez Sanofi aujourd'hui? Oui. Donc, comme vous l'avez dit, je suis alternante chargée d'assurance qualité opérationnelle chez Sanofi. Donc, depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, mon parcours, comme beaucoup de personnes jusqu'à présent, j'ai fait un bac S en 2017. Donc aujourd'hui, ça sera à peu près prendre SVT et maths ou SVT et physique. Et après ça, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc post-bac, en prépa intégrée. Puis j'ai fait mes 3 ans d'école d'ingénieur. Et pendant ces 3 ans, j'ai eu la chance de partir en Erasmus, de revenir. Et il a fallu que je me spécialise. Donc on vous a montré les 5 grandes voies. Moi, j'hésitais entre qualité ou production. Et donc j'ai fait un petit mix des deux. J'ai pris principalement de la qualité, mais avec un peu de production. Et en prenant ces matières-là dans mon école, en dernière année, on m'a proposé de faire une alternance. Donc de faire toute ma dernière année d'école d'ingénieur en alternance. Et c'est là que j'ai intégré Sanofi donc, en septembre dernier en tant que chargée d'assurance qualité opérationnelle. Donc ça fait maintenant 1 an. Et durant cette année d'alternance, ça s'est très bien passé, à la fois avec mon école, à la fois chez Sanofi. Et j'ai décidé de continuer mes études en école de commerce pour faire donc un master en management de la qualité. Et comme ça se passait très bien chez Sanofi, que je me plaisais beaucoup, que les missions étaient très intéressantes, je vous en parlerai juste après, j'ai décidé de rester et donc de prolonger mon alternance, toujours à Vitré. Donc, si je devais vous parler de mon travail assez rapidement chez Sanofi, grosso modo, quand on fait de l'assurance qualité opérationnelle sur un site de production, on s'occupe de tout ce qui va être imprévu lors de la ligne de production. C'est-à-dire que quand on produit notre médicament, on a différentes normes, différentes procédures qui sont en place pour que les choses se passent bien, pour que notre produit corresponde à nos attentes. Sauf que parfois, on est sur des molécules vivantes et ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et donc, mon rôle, ça va être principalement au quotidien d'évaluer donc les différents événements qui vont se produire, que nous, on appelle des déviations, de voir à la fois quel peut être leur impact sur le produit ou sur la qualité de la zone dans laquelle on produit, parce qu'on veut s'assurer que notre produit soit conforme et qu'il puisse être apte à être délivré à un patient. Donc on va s'intéresser à la fois à l'impact de ces événements, mais également à pourquoi ils se sont produits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se produise plus. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité, avec tous les services, puisque dès qu'il y a un problème, on doit faire appel à différents spécialistes sur tout le site. Et après, on a différentes missions d'amélioration continue, on va dire, pour continuellement améliorer à la fois notre procédé, notre manière de produire, notre manière d'interagir entre nous aussi. Ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est une grande partie de mes missions. Et donc, si je devais vous donner un exemple concret d'un projet qu'on a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant,
mais on parlait d'AMM tout à l'heure et de vaccins. Sanofi a eu l'autorisation de mettre sur le marché son vaccin anti-Covid la semaine dernière. Donc ça, pour nous, c'est une grande réussite, on en est très fiers. Et il se trouve que ce vaccin est produit sur le site sur lequel je travaille. Et donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé à le produire parce qu'il avait des très bons résultats. Donc, on a décidé de prendre de l'avance. Sauf que mon site, à la base, il n'est pas fait pour produire des vaccins. On n'est pas habitué à avoir du virus sur le site. Donc, quand on a commencé à le produire, il a fallu faire attention parce qu'il ne fallait pas que le virus qui va, entre guillemets, avec la production du vaccin, aille contaminer nos autres produits qu'on va également produire. Ça, c'est la pire chose qui aurait pu se produire. Donc, il a fallu, c'est tout bête, repenser toutes nos procédures, toute notre manière de fonctionner en zone de production, tous nos habillages, des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément, pour faire en sorte que le virus qui se trouve là où on produit le vaccin n'aille pas contaminer nos autres produits. Et donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On a obtenu la mise sur le marché du vaccin et en plus, en plus d'un an de production, on a eu zéro contamination croisée. Donc, c'est une bonne réussite. On est assez contents. Merci. Ouais, merci, Louise. On voit l'impact de ton métier donc chez nous, chez Sanofi, dans l'industrie du médicament, donc assurance qualité. Et tu as partagé avec nous un bel exemple. Et Adrien, tu as aussi un super exemple à partager avec nous. Tu es assistant chargé de projet fabrication. Tu as aussi un gros impact, une grosse responsabilité. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et bien sûr, nous parler de ton parcours? Donc, bien sûr, donc bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Adrien Lenz. J'ai fait un bac STI 2D il y a maintenant 5 ans. J'ai poursuivi sur un DUT, donc maintenant c'est BUT, mais j'ai fait un DUT génie industriel et maintenance. Deuxième année en alternance chez Delpharm. J'ai poursuivi sur une licence pro procédé et technologie pharmaceutique, également en alternance chez Delpharm. Et depuis l'année dernière, je suis en alternance chez Sanofi à Compiègne en tant que chargé de projet fabrication pour un master en management de projet. Moi, contrairement à Louise, je n'ai pas des missions extrêmement précises. Moi, c'est extrêmement varié. Je n'ai pas de journée type. En gros, quand on est assistant chargé de projet fabrication, on apporte des solutions concrètes à toutes les problématiques des services support et surtout liées à la problématique de la fabrication. Par exemple, en exemple concret, moi, ce n'était pas du vaccin. C'est un médicament que vous connaissez tous, le plus emblématique de Sanofi, le Doliprane. Il y a eu énormément de demandes depuis le Covid. Ça augmente, ça augmente. Du coup, on augmente nos process de fabrication. On doit produire plus, plus rapidement et en plus grande quantité. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, moi? On est passé simplement sur mon site d'une production de 20 lots par mois de Doliprane à 40 lots par mois. Et on a réalisé ça en 2 mois, donc ce qui est énorme pour le coup, donc passer du produire le double avec le même nombre de machines, avec le même nombre d'opérateurs, les mêmes formations, les mêmes personnes en 2 mois. Et moi, j'ai apporté une solution sur une petite partie du projet en supprimant les nettoyages tous les 20 lots, en les passant à 40 lots, ce qui nous a permis de gagner, en l'occurrence, une journée de travail, donc quasiment un lot et demi par mois en plus. Donc voilà, c'était pour mon exemple. Bravo Adrien. Et c'était pour répondre à une demande en post-Covid, donc c'est tout le sens de notre industrie, hein, travailler pour la santé. Et là, il y avait de la demande de paracétamol, de Doliprane très importante. Merci pour vos témoignages. Pour conclure, je vais vous laisser la parole chacun. Est-ce que j'avais envie de vous demander en fait ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui vous faisait lever le matin en fait, pourquoi vous êtes là? Je vais commencer. Ce qui me fait me lever le matin, enfin, moi ce que j'aime dans mon métier, et ce que vous avez compris avec l'exemple d'Adrien ou le mien, c'est que quand on travaille dans la pharma, on voit vraiment l'impact de notre travail au quotidien. On a pu vous citer tous les deux des exemples assez concrets, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un sens à mon travail, de savoir pourquoi je vais travailler. Alors forcément, hein, je suis alternante, il y a énormément de personnes qui travaillent chez Sanofi, c'est pas moi toute seule qui fait tourner la machine, on est très d'accord là-dessus, mais je participe à ma manière, et pour moi, c'était vraiment ça qui était important, parce que comme beaucoup de personnes, quand j'étais au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai hésité, j'ai fait de la bio, j'ai fait des stages, j'ai cherché, et en fait, au final, ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'avoir un sens, et d'avoir envie d'aller au travail, et de me dire, et de pouvoir rentrer chez moi, et de me dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, et je sais à quoi ça a servi, et je sais pourquoi je l'ai fait. Et pour ma part, du coup, c'est réellement le côté que ce qu'on produit, c'est à destination de la santé publique, de tout le monde, que ce soit nos parents, nos amis, tous les Français et même à l'étranger. Du coup, premièrement pour ça, et aussi d'autant plus chez Sanofi, parce qu'on a une grande autonomie.
La compagnie, l'entreprise mise beaucoup sur nous et ça nous permet en fait de, même en tant qu'alternant, d'avoir une réelle place au sein de l'entreprise, comme si on était réellement un collaborateur à proprement parler embauché. Et surtout que Sanofi est une très grande boîte française également, et ça c'est important parce que ça nous fait rayonner à l'étranger. Quant à moi, je vais revenir quelques minutes puisque c'est vrai qu'on a eu des intervenants qui ont présenté leur parcours. Moi, je voulais dire qu'en effet, j'ai fait un bac S et j'ai voulu en fait m'orienter vers une fonction support, donc les ressources humaines. C'est pour ça que j'encourage aussi quand on se dit, je veux faire des ressources humaines. En fait, c'est très large. Ça peut être du recrutement, ça peut être de la formation, ça peut être de la paye, ça peut être du business partnering aujourd'hui. Hein, c'est aussi comprendre les enjeux des métiers. Et du coup, je trouve qu'à travers Sanofi, en effet, on a un impact direct dans nos actions pour le patient. Et on est tous patients. Comme le disait très justement Adrien, ça nous concerne aussi à nos titres, à notre cercle personnel, que ce soit nos proches, nos amis. Également, de pouvoir contribuer sur une fonction support et avoir du sens, c'est ce qui me permet, moi, de me lever tous les matins et d'être vraiment ravie de ma contribution et de ce que je fais. Merci, Florence, Adrien, Louise. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième table ronde en direct à nos trois intervenants ? N'ayez pas peur, ne soyez pas timides, parce qu'après, il y en a peut-être qui ne seront plus là à la fin de la session. Et c'est vraiment le moment d'avoir des professionnels qui peuvent échanger avec vous. Ou en ligne également, on peut regarder s'il y a des questions. Pour le moment, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas. Il y en a une par là-bas, si vous voulez bien, ici. Ouais, une par là, là-bas. Ah ben, il y en a de tous les côtés maintenant. Là, c'est quoi en fait, c'est quoi qualité professionnelle, opération, qualité professionnelle? Alors, qualité opérationnelle. Ouais. Pour vous, Louis. Alors, en fait, c'est un peu long. Assurance qualité opérationnelle. Il faut savoir qu'en pharma, tout ce qui va être qualité sur la production, on va appeler ça de l'assurance qualité. C'est vraiment une manière de dire que la qualité, elle est tout le temps là pour s'assurer de la conformité du projet. Après, opérationnel, c'est pour dire que je suis vraiment sur la production. Parce que, par exemple, on pourrait avoir de l'assurance qualité au contrôle qualité. Ça, c'est parce que Sanofi est une très grande entreprise et qu'on a besoin de tous segmenter nos activités. Donc, c'est des appellations qui sont un peu longues, parfois un peu compliquées. Mais grosso modo, ça veut dire que c'est vraiment s'assurer de la conformité du produit lors de sa production. Ok. Une autre question, peut-être ? Il y avait d'autres personnes, je crois, qui avaient levé la main ou... Non ? Et pas en ligne ? Non, il n'y a pas de question en ligne sur le... Eh bien, très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que c'est super inspirant d'avoir, en plus, des jeunes avec nous. Et donc, je vais appeler Camille, Candice et Leïla pour la deuxième table ronde. Donc, merci. L'industrie de santé, bien plus que des métiers du médical. Installez-vous comme vous le souhaitez. Alors, pourquoi on a abordé ce sujet ? Puisque, en fait, on pourrait croire que l'industrie pharmaceutique, ça parle à tout le monde. Et puis, finalement, industrie pharmaceutique, c'est quoi ? Il faut que je fasse médecin, pharmacien, chercheur, c'est bon, je connais les métiers. Mais en fait, non, les industries de santé, c'est plus de 130 métiers. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a pu commencer à vous le montrer, à vous le prouver depuis le début de cette session. Je pense que ça, c'est vraiment le fil rouge. Il y a énormément de métiers dans les industries de santé. Et donc, on a choisi de faire témoigner Leïla, Candice et Camille. Donc, bien sûr, il faut des médecins et des pharmaciens et des formations très scientifiques pour travailler dans l'industrie. Mais ici, on va parler de métiers que peut-être vous connaissez moins dans l'industrie de santé. Et je vais commencer par toi, Camille. Tu es responsable supply chain pour l'unité médecine de spécialité sur Sanofi France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton métier et puis aussi, bien sûr, comme toujours, ton parcours? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Camille Heurtaud et je vais essayer de vous faire découvrir via mon parcours pour illustrer un petit peu tous les métiers qui peuvent exister dans la supply chain.
Donc j'ai commencé par un bac S, un bac général S, et ensuite j'ai enchaîné sur ce qu'on appelle maintenant un BUT, gestion logistique et transport, et j'ai terminé avec un master en logistique et système d'information. Et ce master, j'ai eu la chance de le faire en alternance chez Sanofi, justement, pendant 2 ans. Et j'ai été embauchée derrière, chez Sanofi. Et donc, j'ai passé mon premier poste chez Sanofi, ça a été ça. Pendant 5 ans, j'ai été au niveau du service informatique. Et je m'occupais, justement, de la robotisation et de l'automatisation de nos centres de distribution en France et en Europe. Donc, installer tout ce que vous pouvez imaginer en termes de convoyeurs de carton, de préparateurs de commandes, de scanners, pour vraiment faciliter le travail de préparation de commandes dans les centres de distribution en France et en Europe. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai voulu me sédentariser, on va dire. Et donc, je suis allée travailler sur un centre de distribution. Et donc, j'occupais un poste de ce qu'on appelle responsable d'exploitation ou responsable de magasin. Donc, concrètement, c'est quoi ? Je devais m'assurer qu'on gérait l'activité de distribution d'un centre de distribution, c'est-à-dire la réception des médicaments de nos usines, de nos produits finis dans des usines, et puis la réexpédition, la préparation des commandes et l'expédition vers nos clients selon leurs besoins en France et en Europe. Donc pour faire ça, je n'étais pas toute seule. En fait, j'encadrais une équipe, donc 70 personnes, des préparateurs de commandes, des caristes, des agents de maîtrise, pour assurer au quotidien la bonne activité de distribution, mais aussi la sécurité des collaborateurs et puis la maintenance de tous les outils et de tous les équipements que vous pouvez imaginer sur un centre de distribution. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a été une activité très terrain, comme on dit, très opérationnelle. Donc je n'étais pas toute la journée devant l'ordinateur. Mon quotidien, c'était d'être au niveau des zones de préparation, de réception, d'expédition avec les agents de maîtrise et les opérateurs pour gérer, bien sûr, comme je vous disais, la maintenance, la formation aussi des intérimaires, des nouveaux caristes qui arrivent sur le poste, etc. Une fois que j'ai fait ça pendant 5 ans, et à force de voir passer des palettes et des cartons tous les jours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en amont de cette distribution physique ? Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'occupe le poste de responsable supply chain. Donc là, concrètement, mon travail, c'est quoi ? C'est que justement, je travaille avec les équipes commerciales pour faire les meilleures prévisions de vente possibles, pour justement, et donc, on prépare les meilleures prévisions de vente possibles. Et ensuite, mon autre aspect du travail, c'est ces prévisions-là, je les envoie en fait à l'industriel, c'est-à-dire à nos usines et à nos centres de distribution, sachant que l'objectif, c'est d'avoir toujours le bon niveau de stock pour les patients au bon endroit. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Et donc, on travaille là plus au niveau, donc, comme je disais, stratégique pour vraiment faire les meilleures prévisions, etc. Donc voilà un petit peu mon parcours et ces 3 postes différents que j'ai faits. Le point commun, j'ai envie de dire, entre ces 3 postes, c'est vraiment, si vous voulez, déjà la supply chain. Alors c'est un terme, la traduction est difficile, hein, c'est chaîne d'approvisionnement. Il faut savoir qu'il y en a dans l'industrie pharmaceutique, mais il y en a dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on a besoin de supply chain, de gens qui ont cette rigueur dans l'organisation, et que ce soit dans l'humanitaire, dans l'événementiel, par exemple pour les Jeux Olympiques, va bien falloir organiser tout ce flux de personnes qui va arriver. Donc dans l'industrie pharmaceutique, bien sûr, mais dans l'industrie automobile, dans le luxe, dans tous les domaines pour lesquels vous avez une appétence, sachez que les métiers de la supply chain et de la logistique et du transport sont essentiels parce qu'il faut toujours gérer des flux, que ce soit des flux de médicaments, des flux de produits, etc. Donc si vous aimez être organisé, avoir du sens, parce que concrètement, là, on l'a bien illustré là, hein, les postes en supply chain, c'est vraiment très concret, parce que quand je me lève le matin, on voit, concrètement, on sait qu'on va rendre service à un patient. C'est une responsabilité aussi, parce qu'on concrétise en fait tous les efforts là, qui ont été faits de recherche, de développement, toutes les équipes commerciales qui ont œuvré pour mettre à disposition les produits. Donc vraiment des métiers porteurs de sens, car très concrets et aussi très responsabilisants. Donc, n'hésitez pas à venir en supply chain, parce que c'est vraiment des métiers qui bougent et qui sont passionnants. Voilà, Diane, un petit peu mon parcours. Merci, Camille. Je crois qu'on a mieux compris ce qu'il y avait derrière ce buzzword d'un supply chain dont on parle pas mal et qui est effectivement présent dans beaucoup d'industries, mais qui prend tout son sens tout de même dans la santé, puisqu'on est là pour distribuer des médicaments aux patients. Donc, merci beaucoup. Et à présent, Candice. Alors, pour revenir au parcours de chacune d'entre nous, bon, toi non plus, tu n'as pas de formation médicale, entre guillemets, mais plutôt scientifique, hein, bac S, ingénieur spécialisation biotech. Bon, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce métier qui a un nom, ingénieur analytique ? On ne sait pas trop ce que ça veut dire et c'est aussi très important. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Donc bonjour à tous déjà. Donc effectivement, Diane, je n'ai pas une formation médicale en tant que telle. J'ai, comme tu le disais, un bac classique S,
que j'ai poursuivi par 2 années de classe préparatoire avant d'intégrer du coup une école ingénieur. Donc au bout de 3 ans, j'ai un diplôme du coup d'ingénieur chimique spécialisé en biotechnologie que j'ai poursuivi du coup en dernière année au cours d'un stage au niveau de Sanofi et que je n'ai plus quitté. Donc mon métier en tant que tel, je fais partie du coup de l'équipe MSAT Analytique, qui est en fait une équipe de support offrant une expertise analytique pour tout ce qui est produit sur le site de Vitry-sur-Seine. Donc concrètement, on travaille sur l'introduction de nouveaux produits sur notre site. Donc au niveau de ce qui vous a été présenté, on se positionne après la partie recherche et avant la chaîne de commercialisation justement. Et là, je travaille plus concrètement sur le transfert de technologie d'un produit, d'un procédé du coup qui a été développé à petite échelle, donc au niveau laboratoire, et que l'on va chercher du coup à transposer à l'échelle industrielle, à grande échelle, pour pouvoir du coup commercialiser à la fin. Donc voilà, la transposition, c'est du coup de passer à d'une petite échelle, parce qu'on se doute bien que tout ce qu'on fait au niveau d'un laboratoire, bah, au niveau grande échelle, on peut avoir des petites surprises. Donc voilà, c'est de réfléchir justement à cette transposition. Donc là, je vous parle de cette partie procédé, mais comme tu le disais, moi, je me situe plutôt sur la partie analytique. Donc mon travail au niveau de ce projet, c'est d'assurer en fait les transferts des méthodes analytiques qui vont servir justement tout au cours de ce projet. Si ce n'est pas des transferts, en fait, c'est la validation des méthodes analytiques qui vont du coup être utilisées pour analyser les produits que l'on va délivrer par la suite. Et cette validation est extrêmement importante parce que du coup, elle va permettre à la fin d'assurer que les résultats que l'on va rendre, que le produit qu'on va produire justement, répond à des critères, à des normes de sécurité et que les résultats du coup que l'on va rendre sont fiables et qu'à la fin, avant sa commercialisation du coup, que le médicament aura bien les effets que l'on attend en respectant du coup la sécurité du patient. C'est très pointu, hein. Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, en fait, c'est vraiment des opportunités, comme je dis. Enfin, c'est des opportunités qui m'ont permis en fait de rentrer dans ce secteur, parce que du coup, j'ai réalisé mon stage au niveau de Sanofi, et bah voilà, ils m'ont proposé de poursuivre, et c'est un peu par hasard en fait que j'ai découvert ce métier d'analytique. J'ai une formation scientifique en tant que telle, mais un peu comme vous, voilà, ces métiers sont un peu obscurs, et c'est vraiment voilà, avec mon stage, tout ça, j'ai pu découvrir ce métier et cette partie vraiment. Contrôle qualité, de s'assurer du coup de la justesse des résultats du médicament, vraiment d'assurer derrière que le médicament que l'on va rendre est fiable et va réellement pouvoir bah, soigner des gens pour une fois commercialisé. Il faut être précis et aimer le travail bien fait hein, avec Candice. Merci Candice. Alors enfin Léla, toi tu as aussi une formation scientifique à la base mais tu as décidé de changer de voie. Ta curiosité t'a mené au poste que tu as aujourd'hui, experte cybersécurité, mais avec plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ton choix et puis ben, sur le métier que tu exerces aujourd'hui ? Tout à fait. Donc effectivement, je suis scientifique à la base. J'ai un master en biochimie spécialisé en microbiologie. Il faut savoir qu'initialement, j'étais destinée plutôt à être médecin. C'était mon souhait de devenir médecin, mais malheureusement, après 2 tentatives au concours, j'ai pas réussi à avoir le concours, donc du coup je me suis orientée vers des études de sciences et plus particulièrement sur la microbiologie, c'est-à-dire tous les microbes, les virus, les bactéries. Et j'ai eu l'occasion lors de ma dernière année de master de faire un stage à la fac, à l'université Pierre et Marie Curie, dans lequel j'ai pu mettre en œuvre tout ce que j'ai appris durant l'année, à savoir en termes de méthodologie, de procédés, de processus. Et je me suis rendu compte qu'au bout de ces 3 semaines, c'était super, mais je ne me voyais pas du tout faire ça pendant plusieurs années. Donc du coup, là, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc c'est un petit peu difficile hein, de se dire, après plus de 4 ans d'études, finalement, j'ai envie d'autre chose. Et le hasard a fait qu'il y avait dans mon université un diplôme de master qui est sur les achats. Donc moi, qui suis assez curieuse de nature, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est ? Donc j'ai été, lors de cette journée porte ouverte, et j'ai découvert que le métier des achats, c'est peut-être ce qui me correspondrait. Donc c'était un virage à 180 degrés à ce moment-là, mais il y avait au fond de moi me dire que bon, bah, faire de la microbiologie, ce n'est pas fait pour moi, du moins pour plusieurs années. Voilà, c'était intéressant pour une courte période, mais pas pour plusieurs années. Donc les achats, pour ceux qui ne savent pas,
on le fait au quotidien, on achète énormément de choses. Donc les entreprises pharmaceutiques font également la même chose. Et notamment, j'ai eu l'occasion, en rejoignant les équipes de Sanofi, de travailler aux achats de la recherche et développement, aux achats marketing and sales, donc la partie plutôt aval que vous avez vue. Et j'ai géré également tout le software, donc les fameux Microsoft, Google que vous entendez, toutes les licences que l'on achète. Donc ce qui est intéressant surtout, c'est qu'une entreprise, elle a recours à d'autres fournisseurs, elle a recours à d'autres sociétés pour pouvoir l'accompagner dans la mise en place d'un certain nombre de procédés. Et je voulais raconter un petit peu sur la partie recherche et développement. Donc ce que vous avez vu, la recherche avancée, on travaille énormément avec des laboratoires, des pharmacies, des universités, des centres hospitaliers qui vont justement nous accompagner pour toute la partie test sur l'être vivant, puisqu'effectivement, avant de lancer le médicament sur le marché, il faut faire tous ces tests-là pour s'assurer que le bénéfice risque est plus important en termes de bénéfice pour le patient avant la mise sur le marché. Donc c'est tout cet accompagnement qui m'a beaucoup passionnée, puisque je travaille au quotidien avec des demandeurs qui sont qui sont des pharmaciens, qui étaient des médecins, je travaille avec des juristes, je travaille avec des financiers, je suis au quotidien avec des fournisseurs. Donc c'est ce qui m'a beaucoup passionnée et c'est ce que j'ai aimé en rejoignant du coup ce métier d'achat. Donc j'ai fait ça pendant presque 14 ans et puis j'ai décidé d'aller sur la partie plutôt digitale, donc sur l'informatique. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs métiers au niveau du digital, notamment en termes d'interface. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'accompagnement, on a besoin d'experts, mais on a besoin aussi de profils qui comprennent les enjeux du métier. Et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre les équipes informatiques il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Et depuis un an, j'ai rejoint les équipes cybersécurité. Donc ça, c'est, je dirais, vous en avez tous entendu parler, puisqu'aujourd'hui, c'est le sujet du moment. Et ce qui m'a amené là, c'est justement mon aptitude aujourd'hui à piloter des fournisseurs, à travailler en transverse, qui m'a amené à ce métier. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit initialement, on travaille avec énormément de partenaires, donc énormément de sous-traitants, donc de fournisseurs. Et aujourd'hui, ces fournisseurs peuvent être aujourd'hui un risque pour l'entreprise. Nous devons nous prémunir notamment que ces fournisseurs sont suffisamment robustes en termes de cybersécurité pour pas qu'ils soient un vecteur de pénalité pour l'entreprise, puisqu'un virus peut rentrer par ce partenaire, un fournisseur peut être hacké, et s'il est hacké, il ne peut pas délivrer, notamment pour la chaîne de production, par exemple, le packaging. Donc, du coup, on ne pourra pas délivrer les médicaments. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler en amont pour s'assurer que les fournisseurs avec lesquels on travaille soient suffisamment robustes, sachant que le risque zéro n'existe pas. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est capable de se faire hacker, même nous en tant qu'êtres humains, donc vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces fournisseurs sont suffisamment robustes pour qu'ils puissent demain, en cas d'attaque, y remédier plus rapidement. C'est ça la force justement d'un fournisseur qui est suffisamment robuste en termes de cybersécurité. Donc voilà, du coup, mon métier, c'est ça aujourd'hui. Et je suis très contente de le faire maintenant depuis un peu plus d'un an. Et j'apprends tous les jours aussi. Merci. Merci, merci à toutes les trois. Oui, j'espère que ça a été très inspirant et que ça a pu susciter même des vocations. Hein. J'avais une dernière question pour vous. En quoi vous choisissez l'une ou les deux, en quoi votre métier est passionnant et quels conseils vous donneriez aux jeunes ici dans la salle, enfin aux plus jeunes que nous, parce que bon. Mon métier est vraiment passionnant parce que c'est tout le temps différent. On est vraiment la supply chain logistique, on est tout le temps impacté par notre environnement, donc il faut l'anticiper. Gestion de crise Covid, on l'a vu tout à l'heure avec la hausse de la demande sur le Doliprane, la crise en Ukraine qui va provoquer des perturbations au niveau des approvisionnements. Donc c'est très motivant de se dire comment on essaie d'anticiper ça comme on peut et de trouver des solutions pour nos patients. Donc vraiment, c'est ça que je retiens, c'est motivant. Et puis si vous ne savez pas trop quoi faire, parce que moi j'étais pareil à votre âge, je ne savais pas quoi faire, on m'a dit va en logistique et en supply chain parce qu'il y en a besoin, comme je disais tout à l'heure, dans toutes les industries, tous les secteurs. Donc c'est vraiment, ça ouvre beaucoup de portes, je pense. Voilà. Du coup, par rapport à c'est la richesse en fait de mon métier qui fait son intérêt. Et en fait, comme le disaient aussi mes collègues, c'est le fait de travailler justement dans le monde de la santé, de savoir que le travail que l'on fait tous les jours va être au bénéfice justement d'autres personnes, qui fait aussi l'intérêt de ce métier, la richesse, la connaissance, l'apprentissage en continu qu'on peut avoir au niveau de mon poste, par exemple, en travaillant. Et du coup, les journées ne se ressemblent pas et on ne s'ennuie jamais, en fait.
Et Leïla, est-ce que tu aurais... Eh ben moi, le conseil que je voulais vous dire, c'est que mon profil est un peu atypique et que je voulais vous dire aussi que parfois, ben, ce sont des opportunités qui font aussi notre parcours. Il ne faut pas hésiter à se poser des questions, à se remettre en question, s'informer. On a la chance d'avoir, ben, comme vous l'avez précisé, des CIO, des centres d'information et autres. Donc, moi, je dirais oui. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Et je recommande la cybersécurité puisque c'est un métier qui recrute. Et vous avez des diplômes pour le faire. Alors moi, je me forme au quotidien sur le terrain. Mais il y a des diplômes, des bachelors. Il y a également l'État qui recrute des cybercombattants. Donc je vous invite, il y a énormément de métiers divers et variés, experts comme généralistes et des postes aussi transverses. Donc à chaque fois, ne vous mettez pas des barrières. Allez vous renseigner avant de vous fermer une porte. Voilà. Et moi, je suis contente d'être chez Sanofi parce que bah, j'ai un parcours qui m'a permis de rebondir plusieurs fois et de faire des choses diverses et variées. Et jamais j'aurais imaginé, il y a 20 ans, que je serais à la cybersécurité aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes hein, ou des questions pour Yvier et moi ou des questions pour Anne et Cédric? N'hésitez pas, il nous reste bien parfait 5 minutes de questions-réponses et on est là pour ça. Alors... Pareil, Yvie, si tu as des questions en ligne, n'hésite pas à bien nous sûr. Dire. J'avais une question, c'est quoi experte analytique pour Candice. Revenir sur le métier d'experte analytique. C'est sur votre métier. L'expertise analytique, du coup, c'est de pouvoir apporter un support. Un support sur un produit qui existe. Et du coup, mon travail, c'est de pouvoir délivrer en fait, des méthodes qui vont être validées et in fine, qui vont pouvoir permettre l'analyse d'un produit dans des critères définis. L'expertise analytique, c'est un titre, mais c'est la connaissance des différentes méthodes analytiques qui peuvent expliquer et qu'on va du coup aider au niveau des différents services en cas de problème sur une analyse ou quoi que ce soit, pouvoir aider justement à l'investigation et la compréhension du pourquoi pour derrière en fait toujours assurer la qualité du produit et le fait de délivrer un médicament qui soit sûr pour les patients. Ok. D'autres questions ou pour également les intervenants de la table ronde précédente, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'ai une question en ligne de Star Shadow qui demande est-ce que c'est rare de faire une alternance? Est-ce que c'est rare? Ben non, comme on le disait, c'est de plus en plus fréquent. Il y a donc eu 720 000 contrats d'alternance signés. Donc ce sont des chiffres du ministère de l'Emploi l'année dernière en France. Chez Sanofi, nous embauchons environ 1 600 alternants par an. Donc, et dans tous les domaines, hein, ça existe aujourd'hui. Donc c'est vraiment, comme on le disait en introduction, une voie d'excellence aujourd'hui et on encourage les jeunes à le faire. Puisque, comme le disait Florence, c'est une manière pour vous, les jeunes, de connaître le monde de l'entreprise et d'allier la théorie au concret, hein, l'activité concrète dans l'entreprise à la théorie que vous apprenez en cours. Donc, ce n'est plus rare, ou de moins en moins rare. Merci. D'autres questions sur cursus ou... partage d'expérience. Oui, au fond, là-bas. Ça marche pas, je pense. Eunice. Ah, pardon. Alors, vous, et puis bonjour. Ensuite, là-bas. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir quelles sont les études pour plus tard devenir... pour plus tard être en cybersécurité. On n'a pas bien entendu le début de la question, excusez-nous. Les études pour plus tard être en cybersécurité. Alors... moi, je vous recommande de faire une école. Il y a des écoles en bac plus 3, il y a des écoles en bac plus 5. Ça se fait également en alternance. On a beaucoup d'alternants, par exemple, chez Sanofi. Ils appellent ça des bachelors, notamment sur bac plus 3, pour ceux qui ne veulent pas faire des études très longues. Il y a également des bacs plus 5 également. Donc oui, il y a énormément d'écoles. Et il y a également aussi, comme je voulais préciser, l'État également, qui forme en alternance. Alors là, je vous inviterai plutôt à regarder sur les sites ou à vous renseigner. Je ne maîtrise pas complètement, mais je sais qu'ils recherchent énormément de cybercombattants, donc, qui sont aujourd'hui les enjeux de demain. Quoi.
Anne-Cédric, vous voudriez compléter ou... Oui. Juste rajouter que pour ceux qui ne veulent pas faire des études longues, il y a le bachelor qui dure 3 ans, mais il y a aussi des filières très courtes qui donnent des titres professionnels. Vous en trouvez beaucoup en Île-de-France, beaucoup au vert aux filles notamment, parce que vous êtes très recherchés dans le domaine informatique, notamment de la cybersécurité. Vous pouvez aller jusqu'à Bac plus 5, si vous n'êtes pas très, on va dire, branché études, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des formations à titre professionnel qui durent 1 an, 2 ans pour commencer, et puis vous pouvez continuer comme ça à vous former, parce que c'est quand même un métier de la formation continue. Pour info, c'est vrai qu'il y a l'État qui recherche, mais il y a aussi énormément d'entreprises, et vous avez plein d'écoles d'ingénieurs qui proposent des spécialités en cybersécurité, et vous avez même Polytechnique qui propose une formation post-bac en cybersécurité. Polytechnique, grande école d'ingénieurs qui, depuis 3 ans, vous propose d'intégrer directement après le bac pour vous former et travailler après directement avec l'État, justement. Merci. On avait une autre question au fond de la salle. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant... vous dites que vous prenez des alternants. À part ça, est-ce que ça vous arrive de prendre des stagiaires, des lycéens, des collégiens, je parle. Et voilà. Oui, oui. On recrute plusieurs centaines de stagiaires également par an. Et concernant les lycéens, collégiens, on organise en fait des semaines de... découverte, les semaines de stage de troisième dans certains sites en France. Pas plus tard que la semaine dernière, sur notre site de Gentilly, nous avons accueilli 15 élèves de troisième du collège Rosa Parks à côté du site de Gentilly en stage de troisième, donc avec 30 heures cumulées. Je crois que Camille, tu as participé d'ailleurs, pour faire découvrir tous nos métiers donc aux collégiens, un peu de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Mais alors là, c'est 5 jours avec 10 heures par jour. Non, je rigole, mais voilà, c'est très intense et de très, très bons retours, en effet, des stagiaires de troisième à la fin de cette semaine. Donc, on a 28 sites en France et certains sites ouvrent leurs portes justement pour des stages de troisième ou des découvertes, des partages en fait sur nos métiers. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense que oui. J'entends pas. Vous avez répondu, enfin pour les troisièmes, mais moi j'avais une question plus parce que je suis en lycée. Sur le lycée. Oui. Ouais, des mini-stages Alors, il y a des stages plutôt stagiaires, du coup, après bac, plusieurs centaines, comme je vous disais. Au lycée, c'est vrai qu'on en fait peut-être un petit peu moins, mais ça existe aussi. Ça existe aussi, donc il faut trouver peut-être les sites Sanofi qui sont géographiquement pas loin de chez vous et vous renseigner, parce que bien. C'est chaque site qui va décider. Merci. D'autres questions? Non, plus de questions en ligne? Non. Et plus de questions dans la salle? Non. Eh bien, bravo, hein, il est 12h02. Donc, je pense que vous avez bien tenu le timing. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas comment j'enlève mon truc.